Coucou YouTube, je fais pas d'intro, désolé. Deuxième VOD, on est niveau 6. On va faire le reste des quêtes. Tranquillou, alors on prend le temps, on découvre, on prend le temps, on découvre. Pourquoi il y a un truc rouge là? Vous ne pouvez pas continuer cette quête dans cette version du jeu. Ah! D'accord. Bien, écoute, ça tombe bien parce qu'on n'avait pas, la ferme. Rejoins-nous dans le feu. Ouais, walk with us in hell. Je peux sortir par là-haut. Là, on va aller un peu vite, je pense, parce qu'on va commencer à faire des donjons, on va aller explorer la map, on va aller buter des trucs. Petite intro, là, qu'on vient de faire. Salut, Doctor Yes, oui, pardon. Je viens de comprendre. Oh. Salut. Il est con ce mec. Je parle de moi bien sûr. Je parle de moi à la troisième personne, ça m'arrive souvent. I'm not ready yet. Bien niveau 4. Bah oui. C'était prévu. Encore on n'a rien vu, là on prend. C'est le plaisir. Nounours ! Cache-toi les yeux, ton équipe. C'est beau. Ah ouais, mais la faute, je l'avais pas vu, je crois. Je crois que la 7, il était pas encore hein, dans la bêta fermée. Hein. Oh. Ça faisait pas ça. Hein. Mais ça, on l'est pas. Hein. Je me souviens pas, en tout cas, d'avoir nagé dans la faute, enfin, marché dans la faute comme ça. Oh putain, c'est stylé. Oh, Ok, je quitte le stream. Mais vraiment, ça pourrait te faire détester un jeu. Mais non. Mais ils sont possédés, c'est ça se voit. Trop bien. Attends, mais c'est un event. Oh, petit bonhomme. Tiens le coup, hein. Faut pas le soigner. Tu flexes? Tu me dis même pas merci? Écoute. Bah écoute, de rien, voilà, de rien. Juste. Saloperie, voilà. Comment ça va, Angou? Ça braise ou quoi? J'aime pas, mais c'est qu'un jeu, j'ai fait la différence. Mais je te sais mort quand même. j'espère bien. Ah, mais c'est pour ça qu'à chaque fois tu faisais exprès de perdre quand on jouait à HOTS et qu'on jouait contre des Rexar. Putain. Ah, tout s'explique, sac à merde, va. je déconne. C'est trop fort hein, la lame derrière là, t'as tu fais ça, boum. Ah, trop cool. J'aime trop là, tu joues sur le positionnement. J'espère que les combats vont rester à peu près à cette échelle là, tu vois, pas trop de mobs dans tous les sens, mais pour l'instant je l'avais pas vu ça dans la première bêta, j'avais vraiment pas vu genre des nuées de monstres et tout, ça a plus de sens, non, c'est chiant. C'est cookie clicker quoi. Ouais, c'est inarrêtable. Lorsque vos lames sont minces, vous reviennent, votre temps de recharge actif sont réduits de 20 secondes pour chaque cible traversée jusqu'à un maximum. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Les cibles empalées par vos lames sournoises sont TBT. C'est fort ça aussi. Hein. Je vais prendre ça en prévision parce que je pense qu'on aura des cooldowns à bientôt là. Peut-être au prochain palier. Oula, il y a un truc là. Humaturman. Merci encore pour le follow, c'est gentil. Oui, faut récupérer les petites... Ah, c'est mieux fait ça aussi que la bêta... Je comprenais rien dans la bêta fermée, là. Reviens la sonne mais 30 âmes en une minute. Ouf, j'ai mal au cul. Oh là, je me fais susauter. Bim.
merde, je les ai pas eu. Je les ai eu. Ah, c'est bon. Ah oui, les lames sont... On les voit bien bloquées sur le corps, en fait. J'avais pas fait gaffe. J'étais persuadé de t'avoir déjà follow. Des fois, ça se barre, hein. Et puis des fois je suis un connard, alors peut-être que vous êtes dégoûté aussi de ce que je fais et vous avez raison de vous barrer, je ferai très certainement la même chose. En arrivant sur mon stream, des fois j'ai envie de rage quit mon propre stream, hein. Donc c'est normal. Alors du coup ça ressemble à quoi ça? Eh, hey, c'est pas mal, je vais la garder. Vous voyez la transmo là? Trop bien. Trop stylé, putain y a tellement, c'est bourré de détails. Oh elle est vraiment très stylée cette cape là. Oh ouais, le style. Trop bien. Un ours a 5 doigts par patte. Les ours de bizarre n'en ont que 4. Ça fait exprès. C'est, ils ont fait comme Disney, avec les mains, avec les 4 doigts. Salut Redjo. Comment on dit? Redjo, ça va? Attends, je vais aller faire la quête au-dessus. Le feedback est vraiment, vraiment très stylé. Je pensais pas vraiment. Je suis assez choqué. Hein. Je suis assez choqué que même sur le... Finalement, c'était le feedback que le moins bon feedback, c'était sur le druide. Et pourtant, j'avais kiffé la classe parce que j'ai beaucoup joué ça. Mais le druide, il y avait des feedbacks un peu chelous. Ça tapotait fort sur certains sorts, mais pas trop sur les autres. Et peut-être l'assassin encore après. Mais là, je le sens bien. Là, je le sens bien. Il est pas trop bordélique? De quoi? Salut, Américo. Greetings. On va se faire une petite instance comme ça, au calme. Ça vous dit? Dans les combats? Ah non, je trouve pas. Bien moins que le 3, déjà. Au contraire, t'as moins d'ennemis. Labyrinthe flamboyant. Flamboyant? Bien moins que le 3, je trouve. Qu'est-ce qui te ferait penser que ça serait bordélique? Toi, t'as l'impression sur l'écran que ça l'est? Au contraire, je pense qu'il faut plus gérer son positionnement là où avant on avait rien à foutre. Justement, tu peux te... Ici, là, tu vois, t'as une esquive. Toutes les classes l'ont. C'est un pas de côté. T'as genre 5 secondes de cooldown. Après, sans doute que le joueur voit mieux ce qu'il fait. Ouais, moi, je vois bien ce que je fais. Et rien que dans les premiers sorts que tu débloques, là, bon, ok, on a un assassin. Peut-être que certaines classes ont moins besoin de se positionner, mais je trouve que ça joue vachement plus là-dessus. Que sur juste appuyer sur tes mouvements, enfin sur tes sorts dans tous les sens et tout, pas trop réfléchir. Là, faut quand même réfléchir et y a certains combats qui sont déjà un petit peu plus corsés, tu vois. Alors qu'on n'est pas en difficulté max du tout, on est au niveau 2 de difficulté. Je sais pas combien il y en a au total, j'ai oublié. Donc je vais pas te dire de conneries. Mais... Au contraire, moi je trouve pas, tu vois, c'est assez lisible. C'est beaucoup plus lisible que Diablo 3. Hein. Déjà rien que là. Place de l'épée? Ah ouais? Ah, attends. C'est peut-être déjà mieux. Ouais. Après, peut-être que l'assassin est moins lisible que une autre classe, tu vois. C'était ça, ça. En fait, si tu veux, j'ai montré tout à l'heure, là je suis parti sur un build corps à corps, on aurait pu jouer un truc distance, déjà ça aurait peut-être été plus lisible, pour toi j'entends. Après, sans doute, non j'ai vu, pardon. Mais
En fait, on a cette attaque-là qui permet de générer des trucs, voilà. Et cette attaque-là, où en fait, je fais un coup comme ça, et tu vois, j'ai planté mes lames, et après, elles reviennent vers moi. Et du coup, sur le retour, elles font des dégâts. Donc c'est pour ça qu'en fait, je tape là, quand je tape une fois comme ça, avec le clic gauche, je peux traverser les ennemis. Ça me fait courir plus vite et je peux traverser les ennemis. Donc j'en profite, en fait, je donne un coup comme ça, je plante mes lames, je me bats, et elles reviennent vers moi, donc en fait. Plutôt pratique. Tac, et après, là, sur le chemin, je recte les ennemis. Ça, c'est rigolo. Diablo 3 aussi sur les 70 premiers niveaux, c'est lisible. Non, je suis pas d'accord. Déjà, dès le départ, t'es submergé par plein d'ennemis. Le premier truc que tu fais, littéralement, t'as déjà des démons dans tous les sens et t'en as déjà vachement. Mais justement, au endgame, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait masse d'ennemis, au contraire. Forcément, il va y avoir des vagues d'ennemis où il y en aura plein de petits ennemis et tout, ça c'est évident, mais... Il y a plus d'échelles, c'est-à-dire qu'il y aura plein de petits ennemis qui vont arriver en surnombre, normal, petite horde de démons, de déchus, ou de ghouls et de trucs comme ça, mais t'auras aussi des gros ennemis qui, où putain, t'es en plein milieu, t'as juste un mec qui t'emmerde, parce qu'il est badass, quoi. Et ça, c'est cool aussi, tu vois. Sorte de mini-boss qui sont signifiants, pas juste des mecs sur lesquels tu roules, quoi. Genre, ok, un mini-boss. Donc on verra. Justement, c'est intéressant de voir comment ils ont tourné le truc, mais je pense que c'est plutôt parti avec cette volonté-là, quoi. C'est quoi ça? Wow. Ouais. I'm not ready to die aussi, hein. Je suis d'accord. Oh, les dégâts! Ouais, merci. Furoncle au cul! Ouf. Oh, les effets de freeze! C'est Vivel Dope, puis action extrême, tu sais. Énorme. Après, c'est bien quand il y a plusieurs ennemis, mon attaque, là, mais en mono, je suis pas convaincu. Nice. Wouah, trop belle. C'est Dalida, putain. C'est Dalida. Résiste feu, réduction des dégâts infligés, 4 forces. Et c'est quoi la force déjà pour elle? Génération. Ouais. Et là? Et donc il faut recycler les items. Pas les vendre, il faut pas les vendre, il faut les recycler. J'ai fait le compte tout à l'heure, j'aurais pas dû. Combien d'heures de jeu? En vrai, on a beaucoup parlé. Une heure et demie. Même pas. En vrai, je prends beaucoup de temps là. On se balade. Hein. On discute, on se balade. On regarde des trucs. Donc, ouais, tout début, ouais. Mais c'est sorti. Là, la bêta, elle a commencé vers 17h. Après, il y a eu des problèmes de connexion. On a de la chance, on arrive à jouer. Donc. C'était pas le cas de tout le monde. Attends, je peux choper. Je peux choper un nouveau truc là. J'ai oublié de mettre un point. Et donc ça, on est dans un donjon, quoi. On est totalement dans un donjon. Et les donjons se finissent pas de la même façon à chaque fois, c'est pas juste tu déglingues les ennemis, t'arrives sur le mini-boss et tout. T'as plein de petits trucs, après, est-ce que c'est fastidieux et tout à terme, je sais pas. Est-ce que ça sera pas un petit peu trop redondant, j'en sais rien. Et là, en l'occurrence, faut détruire des furons, quoi. Ça va être trouver des mécanismes, casser des portes.
des hôtels, des machins comme ça à bêter. En fait, qu'est-ce qui se passe? I'm not ready yet. Non, il y a pas de souci, hein. En vrai, pour ça, je disais au début, rendez pas compte, je pense, de la merde que ça doit être dans un lancement comme ça. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte, les gens qui râlent, ils ont jamais bossé dans un truc comme ça. Même avec la meilleure volonté du monde, même avec les meilleures équipes, t'auras forcément de la merde, alors c'est obligé. Je te dis, rien que parce que s'il y a des gens qui veulent nuire au jeu, il y en a forcément des gens qui veulent nuire à Blizzard, genre évidemment, ils vont trouver aussi le moyen de casser les couilles, très fort. Et ça, tu le sauras jamais. Parce qu'ils vont pas leur faire de la pub, c'est évident. Le premier demain à 18h. Ah, demain le premier est là sur le World Boss. Stylé. Je sais pas trop comment s'organise mon week-end. Je sais pas si on pourra y jouer. Je sais pas si je serai là tout le week-end déjà, premièrement. Je sais pas comment ça va s'organiser. Donc si je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, bah tant mieux aussi, parce que j'aurai très certainement d'autres trucs à faire qui seront tout aussi intéressant. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que bah, moi, je compte bien. Combien de faire ce petit marathon à la sortie de Diablo. Un marathon sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et on sera full time en stream. On pourra manger ensemble, on pourra faire la cuisine ensemble, on pourra éclater les démons ensemble. Si le cœur vous en dit. Quoi ? Oh, je me TP à chaque fois que je clique gauche. Oh là là. Oh, c'est stylé en plus. Oh, l'effet est très stylé. Waouh. C'est un conduit, quoi. Conduit. Ah oui, attendez. Hop. Tac, ça c'est bon. On va pouvoir débloquer encore un nouveau slot. Voilà, ça y est. Pas de l'ombre. Vous devenez inarrêtable et vous déplacez rapidement à travers les ombres pour poignarder votre victime par derrière, ce qui lui inflige 51 points de dégâts. Votre vitesse de déplacement est ensuite augmentée de 50% pendant 2 secondes. Wow. Nous avons célérité. Vous foncez sur les adversaires et les lacérez en infligeant 26 points de dégâts. C'est un dash, quoi. Chose trap. Pas de quartier quand les lyrics frappent. Bondissez en arrière, lancez des chose trap au sol. Ouais, non, c'est pas pour nous, là, pas le gameplay. Réduction de dégâts. Attends, qu'est-ce qu'on a après? Défense réactive. Ok, chose trap, on s'en fout. Lorsque vous infligez un coup critique à une cible hébétée. Ah, hébétée, ça peut encore se déplacer, c'est pas un stun, d'accord. Intéressant. Alors, donc, lorsque vous infligez un coup critique à une cible hébétée, celle-ci est renversée pendant 0,5 secondes. D'accord. Intéressant, ça. Bénéficiez d'un bonus lorsque vous attaquez en fonction du type d'arme utilisée. Les dagues, des dégâts supplémentaires aussi en bonne santé. Les épées, des dégâts supplémentaires tout court. Les arcs, des dégâts supplémentaires aussi vulnérables. Les arbalètes, des dégâts critiques supplémentaires. Ok, intéressant. Ok. Bonne santé, c'est 80% de PV max. Et vulnérable, c'est subitement 100% de dégâts supplémentaires. D'accord. On teste quoi? On teste le célérité ou on teste le pas de l'ombre? Attends, ça fait quoi? Les cibles blessées par pas de l'ombre sont étourdies pendant 2 secondes. Waouh. Une recharge de pas de l'ombre est réduite trop souvent si un flux de dégâts à une cible que vous n'avez pas touché avec pas de l'ombre au cours des 4 dernières secondes. Dac. Je vais tester Shadow Step.
Donc là, si je fais ça... Such awful things, I couldn't bear it. Don't fret over me. Donc là, vous voyez, profondeur animique. On est encore passé à un niveau différent. Ah ouais, voilà, c'est ça. Pardon, c'était derrière moi, en fait. Vous avez les niveaux, ils sont là. Je vous avais dit tout à l'heure. Là. Donc là, ici, t'as le niveau 1. Là, t'as le niveau 2. Et après, t'as encore des zones derrière, peut-être. Vous voyez ? Trop cool. Quite generously. For once, I have some fat on my bones in this frigid wasteland. Ah oui, le TP quoi. Violent. Ah oui, putain, le move qu'elle fait, genre. Ah mais attends, mais du coup, le move à faire, ça coûte quelque chose ou pas? Temps de recharge, non, ça ne coûte rien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est clic droit, tu plantes un mec, tu TP sur un mec très loin, ce qui fait que du coup, après, tes lames, elles vont revenir vers toi et c'est stylé. Genre là, je fais ça... Shadow Step. Voilà, ok, c'est ça. Je fais ça, et après Shadow Step. Voilà, bon, ça n'a pas marché comme je veux, mais... En gros, je fais ça, Shadow Step. Voilà, ok. Déjà ? Nice. Et après, ce qu'on pourrait faire même là, du coup, vu qu'on a débloqué tous les slots là, c'est de trouver même un autre générateur, on pourrait déjà le mettre là. Ou un autre sort, quoi. Genre une rafale, par exemple. Ou genre un tir pénétrant, ou genre un tir rapide, ou genre... On va tester le tir pénétrant juste pour le plaisir. Non. Oui ? Non, je sais pas. Célérité. Vas-y, je vais mettre la célérité. Un petit dash. Four thermostat L. C'est quoi un thermostat L? Le plus fort possible. Ça marche bien ça. Ah ouais, ça bouge bien. Hein. Ouais, la mobilité d'un coup là. Ouf. Très stylé, hein. Donc on a ça là. On a ça derrière. TP sur quelqu'un. I'm carrying too much. Quoi? You're carrying too much? On peut pas voir ce que c'est avant. Contrôle. On peut pas voir. Et le TP, est-ce qu'il faut acheter des parchemins ou pas? S'ajouter de la profondeur dans les décors. Utiliser des chemins sur d'autres lignes que les 4 axes. Les 4 axes. Non, non, non. C'est-à-dire les deux axes.
au lieu de bouger gauche et droite, ou haut en bas. Et ça, c'est en fait, c'est deux axes. Je veux dire, les quatre directions. Quatre directions, mais deux axes. Regardez. T'as compris, ouais. Ils apportent de la verticalité, je suis d'accord. C'est très stylé. Toute la camelote. C'est pas de camelote, ordinaire. Bim. Putain, j'ai pas utilisé mon consommable là. Faut que je le fasse. Quête, aspect. Alors, du coup, on n'a pas besoin d'acheter de TP de portail. De portail. Pardon. De scroll de portal. Parce qu'il fallait en acheter dans la bêta, c'était très relou, ça servait à rien. Au bout d'un moment, t'es là, t'en achètes 50 et puis c'est juste, ça rajoute une étape, on s'en fout, quoi. Ça coûtait rien en plus. I cannot carry anymore. Quoi? I cannot carry anymore, réponds-lui. Bush. Kate Bush? Non, j'ai pas compris. J'ai pas la ref. Salut Joe, comment ça va? Bonsoir. Est-ce que ça braise? J'ai pas la ref, mec. Ok. J'ai utilisé un élixir. Vite, 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 on doit fermer. Oh, putain, j'ai trop l'habitude. Ah, je vais changer ça. En fait, moi j'ai un souci. C'est que quand je joue, moi, je fais A, Z, E, R. Trop l'habitude d'avoir joué HOTS, et même dans Diablo, je l'avais fait comme ça. Ce qui fait que du coup, j'ai plus monture. Monture 2, je crois. Ah oui, d'accord. Ça fait que du coup, la roue d'action, c'est de la merde. F. Touche interaction forcée n'est plus. Putain. Ah. Ah. Roue d'action, alors. Je vais mettre sur 3. Suite quête rapide. Interaction forcée F. Emplacement de compétences. Et du coup, c'est quoi les compétences? Panneau de compétences, je vais mettre ça sur S. Menu volant d'attribution de compétences. Q. C'est bon le Q? Le Q, c'est bon. Ça dépend le. Bref. C'est bêta très bien pour l'instant, très bien. Je mets les spells en Z, voilà, ça m'a saoulé. Donc attends, je fais clac, shadow step. Prrr, trop bien. C'est ultra dynamique par rapport à ce que j'imaginais. Je pensais que ça le saurait, mais là, très très vite, là, on a shifté sur un truc. Oh ouais, mais c'est trop bien, hein. Tu fais des allers-retours comme ça, là, tu découpes. Tu découpes dans tous les sens. Alors, si je fais ça... Oh ouais, ouais, ouais. Ça marche bien. Cool sur 20. Je sais jamais, moi, ce que ça veut dire, les trucs sur 20, parce que j'ai l'impression que... Il y a des gens qui savent pas l'utiliser, cette expression, et du coup, en fait, il y a les deux. Soit ça veut dire c'est de la merde, soit ça veut dire 0 sur 20, soit ça veut dire c'est 20 sur 20. Moi, je comprends plus cette expression-là. Je l'ai plus, les gars. je suis vieux, hein. Je suis un boomer, hein, maintenant, hein. C'est parce qu'on a trop joué à HOTS, là, Toto, hein, pour le Azer. Expression sur 20, quoi. Tu fais pas tes 40 ans. Non, tu me donnes quel âge en vrai, en coup. Bonjour! Oh, il est très stylé, lui! Oui! Ça va, les dégâts? Comment ça se passe, monsieur?
J'ai l'impression que ça allait exploser. Hein. Ah oui, d'accord, fallait bouger tout simplement. Mais monsieur saute pas comme ça le visage. Dis donc. Ouais, c'est pas gratuit quand même, hein. J'ai l'impression que c'est un peu plus simple que dans la bêta. La première que j'avais faite, en tout cas. Un peu plus simple. Les dégâts sont été tuned down un petit peu. Utile en ayant quasiment canné, là. Il y avait vraiment des trucs où moi, je suis mort plusieurs fois. Hein. 40 ans sur 20... Ouais, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu me donnes quel âge, en coup? Il me nomme quel âge? Il est en train de faire des recherches sur Google pour pas se tromper. T'as droit, hein, je m'en fous. Hein. Tu me dis j'ai 18 ans, tu me dis j'en ai 52, j'en ai rien à foutre. Moi, ça m'atteint pas du tout l'âge qu'on peut me donner. Hein. Je dirais un peu moins de la trentaine, c'est vrai? Cool. Je suis dans l'année de mes 34 ans. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Bien joué, Joe. Bien joué, Joe. Wouhou! Eh non, je ne fais pas 28 ans. J'ai totalement 33 ans, je suis John McAllister. Bien joué, Joe. Wouhou! C'est la marche, ça rajeunit. Ouais, bah un peu, ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, si j'ai pas de barbe, je fais 10 ans de moins, mais je suis très moche aussi. Je suis très très laid. Je viens de passer les 42. Bon, ça va, 42, j'avoue. Mais c'est dans la tête, hein, les amis. Hein. C'est dans la tête. Moi, mon moto... Allez à Yelena. Comment on peut sortir? On est obligé de sortir comment là? Y a pas un TP? Ah mais attends, si, il y avait un TP normalement. Justement, il y avait des scrolls qui permettaient de se TP au début du donjon. Ah, c'est trop beau ça. Oh, c'est magnifique ça. Il y avait des scrolls qui permettaient de se TP au début du donjon. C'est ça qu'il faudrait acheter. Attends, on va voir si on peut en acheter. Parce que là, ça devient utile. Salut, Eng. Ongé. Pardon. Je me souviens. Rosa. C'est quoi ça? As I'm sure you know, even seemingly mundane objects sometimes contain. Ah oui, c'est le mec qui va faire des reforges et tout. Ça a l'air propre, c'est super propre. Pas grand chose à dire à part kiffer là. Pour l'instant. Leaving behind the pure aspect of its mystical power. You might think of it as ripping the soul from one body and transferring it to another. Not that I would ever dream of such a thing. Trop bien, Ingi. Malotru chanceux, dis donc. Only honest magics. Extraire l'aspect. Ah oui, c'est pour avoir des reforges spéciales, enfin des transmos spéciales, faut les extraire, je pense. Hein. Stylé, recycler des emblèmes, enchanter l'objet. Ah oui, ça y est, je me souviens. Tu peux extraire des pouvoirs uniques pour les mettre sur d'autres objets. Et ça, c'est ouf. Je crois que c'est ça, hein, l'idée. Hein.
enchanter des objets rares ou légendaires en remplaçant un affixe non désiré par un nouveau. Donc tu peux remplacer des affixes, ok. Mais tu peux aussi extraire l'aspect. Il y a des trucs comme ça, je crois, non? C'était pas ça? Les essences légendaires. Je sais plus comment ça marche, mais ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Le skin. Donc il y a plus le mec qui vend les portails alors. On sent vraiment, c'est devenu useless. C'est peut-être là. Ils ont viré totalement les scrolls du jeu. Alors, on a déjà tout ça. Elle est trop belle. Trop belle cette. Donc on a quoi comme couleur aussi, parce que. Ouais, y a trop moyen de se faire des. Oh là là, c'est putain, c'est beau. Alors je vais. On va se faire des concours de transmont là aussi. Hein. On va se faire des concours de transmont, je te le dis. Hein. Et encore, il n'y a pas assez de transmont. Ouais. Ils vont en rajouter plein, je pense, c'est sûr. Et voilà. L'écoute là. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est encore mieux. Comme ça, c'est mieux. Ouais, non, ça, c'est pas ouf, ça. Pour l'instant, c'est pas ouf. J'aime pas ça, le capuche. Merde, je les ai pas gardés. Me dis pas que je les ai pas gardés. C'est ça. Attends. Je vais me mettre une capuche couleur rouge. On sait jamais. Voilà. Sauf qu'en fait... Est-ce que ça me... Mais non, je suis bête, ça peut pas le mettre où je suis bête. Les transmos sont trop bien, mais en fait c'est ça le truc. C'est même pas que les transmos sont cool. Ah putain, mais on peut rentrer par là, je suis trop bête. C'est même pas que c'est bien. C'est que si tu peux, elles sont pratiques parce que t'es pas obligé d'y aller tout. Tu te fais une fois ton équipement et après peu importe. Genre là, tu vois, j'ai des bottes là. Si je mets cette botte là, ben en fait ça change rien parce que en fait c'est au slot. C'est pas à l'item. Tu mets une transmos sur ton slot et pas sur ton item. Je trouve ça trop trop cool. Le principe est vraiment bien. Je crois que tu peux faire la même chose. J'ai pas fait sur les armes, mais les armes aussi sont transmogues. Yep. Merde. Il est déjà 20h. Ouais, et puis de pouvoir juste les changer aussi. Tu ramasses un item, t'as envie de voir à quoi il ressemble, bah tu peux le faire. C'est plein de trucs comme ça, de toute façon, ils ont... I'm not ready yet. C'est très bienvenu, ça. Alors, cabine curiosité. Ah, c'est une Kadala. Ouais, donc ils ont viré les scrolls. Il y avait donc, tu pouvais acheter des scrolls qui te permettaient de revenir au début du donjon. Je réfléchis, mais j'en vois pas. Hein. Peut-être ça, hein. Je pense pas. Trop bizarre. Trop bizarre. Ils aient viré ça. La possibilité de faire ça. Parce que ça veut dire que pour ressortir du donjon, t'es obligé de backtrack. Ça paraît bizarre. Hein. Tu pouvais acheter donc des scrolls de TP ville. Et tu pouvais acheter des scrolls pour re-TP au début du donjon. Voilà. T'avais la possibilité de faire les deux. Mais là, plus l'un ni l'autre. Par contre, j'ai mis un élixir, je sais pas où il est. Et ouais, j'ai... Faut que je tape des trucs, là. L'élixir, il m'a coûté la peau du fiac, faut que je rentabilise. I'm not ready yet. I can cash done yet. C'est qui faisait ça? C'est peut-être qu'un effet bêta pour tester plus vite.
Ah ouais, non, non, il y avait vraiment un PNJ et tout. Ça, c'est, je pense qu'ils l'ont viré parce que c'était, c'était fastidieux. Ça s'importe rien en fait. Acheter des scroll towns par centaines juste pour pas être emmerdé, parce que ça coûte rien. Autant l'enlever quoi. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Genre, vraiment. Mais peut-être, t'as peut-être raison, mais je crois pas. Hein. Je pense qu'ils avaient vraiment, ils avaient vraiment fait un item et tout ça. Tu devais les acheter. Je sais pas. Dans ce cas-là, ils les auraient filés à tout le monde, tu vois. Si c'était vraiment un truc pour tester plus vite. Donc se faire chier à aller acheter chez un PNJ qui existait, il était présent, il était, je crois qu'il était pas loin du TP en plus. Bah, il y avait ça dans D2. Ouais, mais c'est pas parce que c'était dans D2 que c'était une bonne chose. Hein. Moi, je fais partie de ces gens-là qui n'encensent pas Diablo 2. Il y avait des trucs très bien pour l'époque, mais aujourd'hui, qui sont nuls à chier, qui ont aucun sens. Hein. Moi, c'est clairement pas... les mécaniques de Diablo 2, je trouve qu'elles ont très mal vieilli. Pour plein d'entre elles, elles ont mal vieilli. Hein. Peut-être, ouais, Toto. J'espère. Peut-être, t'as raison. Peut-être une petite... une quête à faire et tout ça. Pour... T'as raison. C'est comme le... Peut-être comme le... Et donc pour ceux qui avaient peur, tu sais que bah, Mork il avait peur par exemple, que le jeu soit trop multi, t'as vu, il y a des gens qu'on croise en ville, parce que c'est une ville, pour moi je les considère comme des PNJ, hein. C'est des joueurs mais je vais pas parler avec eux, je m'en branle, tu vois. Je sais qu'il y en a, ça, ils sont réticents à ça, hein, à l'idée de croiser des gens, que ça soit un monde MMO, mais c'est pas du tout un MMO, t'as vu le truc, on va tout pouvoir faire tout seul, il y aura aucun problème. Hein. À part les world boss, et encore les world boss, je pense que tu peux les soloter au bout d'un moment. D'accord, c'est pas marqué sur la map. Très stylé, donc il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil, ils sont bien cachés les machins. Hein. Alors, lui, il était obvious en plein milieu, mais je pense qu'il y en a plein qui vont être un peu planqués. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir du renom, notamment. Et donc des bonus pour les autres persos. J'ai trop envie de tout fouiller, là. Sentiment d'exploration qu'on n'avait pas d'ailleurs avant. Sur Diablo 3, jamais tu te dis ouais, je vais explorer. Enfin, t'as vite fait le tour quoi. 10 micro-paiements, ouais. Il y aura un shop, là on peut pas le voir, je crois. Il est pas là le shop, mais c'est des micro-paiements de cosmétiques. Voilà. Ils ont bien mis ça au clair. Et moi j'y avais accès dans du coup la première bêta. On pouvait voir déjà à quoi ça allait ressembler. C'est des sets. C'est prévu quoi. Oui, c'est totalement prévu. Tu peux même voir à quoi ça va ressembler et tout. C'est des sets de cosmétiques. Voilà. Rien de bien compliqué. Rien de bien, je trouve, odieux non plus. Il n'y aura pas de pay to power, il n'y aura pas de pay to win, il n'y aura pas de pay to speed. Il n'y aura aucun avantage autre que avoir des transmos ou pas. Et si normalement je dis pas de conneries, et j'en suis quasiment sûr, parce qu'il me semble bien que c'était comme ça. Donc c'est une monnaie qui s'appelle le Palladium, je crois, ou un truc du genre. Tu débloques donc cette monnaie qui te permet, soit tu le débloques en achetant des trucs, soit tu peux le débloquer en jouant en fait. Et donc avec cette monnaie, même en déboursant 0 thune, tu peux acheter des trucs dans le shop. Juste en jouant au jeu, en participant à des events et des trucs comme ça, je crois qu'il y a moyen d'en récupérer avec les saisons, par exemple. Donc le but, c'est de pouvoir aussi permettre aux gens de farmer pour acheter des trucs qui sont premium. Ça sera à confirmer, ça se trouve, ils vont changer ça mais dans le jeu, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire. Dans la bêta, je crois que je pouvais le voir, ça. Alors il te filait un truc pour que tu puisses juste tester les transactions, il te filait un montant, comme ça tu pouvais t'acheter un set juste pour voir à quoi ça allait ressembler. Mais de ce qu'ils ont dit dans les quarterly updates et tout ça, là, apparemment tu pourras débloquer, jouer au jeu quoi, et débloquer des choses. Attends, mais j'ai déjà fait ça. Ça c'est une quête, ça. Non, c'est pas du tout une quête, ça.
Ah mais c'est une carte. Ok. Bon moi GG. Normalement tu peux te fermer. Après est-ce que tu pourras tout acheter? J'imagine que non. Ce serait quand même abusé. Mais tu pourras t'acheter des sets de temps en temps en te faisant plaisir et en déboursant 0 balles. Et en plus de ça, il y a pas mal de sets qui seront en dispo pour tout le monde. En fait, le but, c'est que de temps en temps, tu as des trucs un peu exclusifs, voilà, que tu t'achètes avec du pognon. Mais la plupart des choses, tu vas pouvoir les farmer. Je pense que ça va être comme dans WoW, tu sais, tu as des montures, la plupart des montures, tu as 95% des montures, va plus, que tu... Merde, ça pue ça. 95% des montures, tu peux les avoir dans le jeu sans rien débourser. Et maintenant, avec le nouveau système qu'ils ont foutu là, tu peux les farmer. Et les trucs qui étaient payants avant, tu peux les avoir gratos maintenant, juste en jouant au jeu. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'ils vont faire. Comment ça s'appelle le trading post là dans WoW actuellement, c'est ça. C'est que tu joues au jeu et tu peux t'acheter. Putain, ça pue. Hein. J'aime pas trop l'écran noir là, j'aime pas trop. Oh yes. Donc ouais, voilà. Si t'as envie de te faire plaisir, bah tu te fais plaisir si t'as du pognon pour claquer dedans. Si t'as pas envie, tu trouves ça aberrant, bah tu t'en fous. De toute façon, c'est des transmots. Je veux dire, il y a des gens, ils sont réceptifs, il y en a qui sont pas. Tu vois, moi je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans, tu vois. C'est toujours pareil en fait. Moi ça me dérange pas, je le faisais. Il y a des jeux où j'achète les skins, il y a des jeux où je les achète pas. HOTS, j'achetais des skins, j'en achetais beaucoup trop. J'ai jamais acheté de monture. Si, j'ai dû en acheter une ou deux il y a très longtemps sur WoW par exemple. Mais j'étais pas réceptif à WoW par exemple. Je sais pas pourquoi spécialement, peut-être que j'ai trouvé un peu éclaté. Pas très exceptionnel, tu vois. Et un peu trop cher peut-être aussi. Mais moi je peux être réceptif et tout, je peux ne pas l'être. Et je pense que... Quoi ? Ça me dérange pas de lâcher un 5 balles, un 10 balles pour un skin que je vais porter. Je vais être fier de pouvoir arborer, quoi. Juste pour mon propre plaisir, même pas pour me la péter vers les autres. Hein, tu vois. Des fois, tu es trop content d'avoir un truc qui pue la classe. Quoi. J'aime bien. J'ai pensé que 2 balles dans le cash shop HOTS. Après, mon jeu permafreeze en vie de Canax. Oh non... Comment ça, permafreeze? C'est quoi ça? C'est un lag? Qu'est-ce que... C'est un lag ou c'est parce que je suis bloqué, on peut pas aller dans cette zone? Bizarre ça. Hein. Oula. Ok. Peut-être passer par un autre endroit? On va passer par là peut-être? Je sais pas si on pourra y aller. Par là peut-être? Je lance un sang, j'ai un free, je das free, je danse. T'as fait tes mises à jour de driver et tout? Map a pas une barrière, non. J'aime trop, hein. Ça bouge super bien, hein. On a fait la cave, là? Non, on a pas fait. C'est un trou. Tout est up de ce matin, je comprends pas. T'as testé full screen, pas full screen, j'imagine.
Oh, c'est joli ça. Oh, c'est trop trop stylé ça. Hein. Oh, les lumières. Plaisir. L'ambiance est là. Et oui, et oui, et oui, et oui. Moi, j'ai toujours dit. Même moi, j'ai toujours dit. Je vous avais dit que ça sentait méga bon. Je dis, ouais, non. J'aimerais trop me téléporter, tu sais, dans le passé. Retrouver tous les commentaires des gens qui disaient, ouais, non, Diablo, de toute façon, c'est de la merde, c'est bizarre. Ça va être de la nuit. Diablo 3, c'était de la merde. Diablo immortel, lol, lol, lol. Et là, ces gens-là qui vont être là, genre, oh, c'est trop bien, t'es meilleur joueur, à quoi tu joues pas Les gars, ouais, c'était bon, assumez aussi, hein. Oh, Diablo Immortal, mort de rire, Diablo Immoral, Diablo Immoral. Ça n'a rien à voir, Diablo Immortal, en fait. C'est pas les mêmes, en fait, qui ont bossé sur le jeu. Arrêtez, en fait. C'est dur à faire. T'arrives à faire l'item qui fait. C'est trop dur à faire. Attends, essaye de faire le bruit là. J'ai 2 ans et demi, putain. Non mais c'est un principe, ouais, mais c'est les principes qui m'emmerdent, moi, ça, c'est les principes Twitter, ça. Principe Twitter, principe 2022, 2023... Attends, c'était là tout à l'heure que j'essayais de passer. Non, je voulais passer là, je suis trop con. Attends, on réessaye, réessaye. Ah non, il y a vraiment un problème ici. Ok. I'm not ready yet. I can't get done yet. Cul. Alors, qu'est-ce que... On va faire ça... Infliger des dégâts à une cible, pas de l'ombre, augmente vos chances de lui infliger un coup critique de 8% pendant 3 secondes. Tu le fais super bien. De quoi, râler? Râler et constater? Roukoutoukoutoukou. Roukoutoukoutoukou. I'm not ready yet. I can get done yet. Voilà. Va falloir surveiller ce furoncle là, monsieur, hein. Oh les dégâts. Oh 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 oh. Shaman et Carister, s'il te plaît. Un petit event là. J'aime trop parce que toute la map elle est jonchée de petits events comme ça. T'es obligé de les faire, tu peux passer, tu peux les ignorer. Et tu peux les faire en fait. Donc quel niveau? 9. Je suis niveau 10. Les obols, les chambards. Les chambards. C'est quoi ce chambard là? Les chambards? C'est quoi les chambards? Des jambards? Je sais pas lire en fait. Alors la gueule des chambards, bon, c'est nul. Okay. Baguette grossière.
bon roguelike. Je l'ai, j'ai rêvé. Les émotes aléatoires, c'est cool. Ils sont aléatoires ? Est-ce qu'ils sont vraiment aléatoires ? Ou il y a des zones où de temps en temps ça peut spawn ? Ah oui, ils sont aléatoires dans la façon de... Est-ce que ils peuvent spawn ou... Enfin, être là ou pas ? C'est ça. Ouais, toi, il y a une église là-bas, trop jolie. Énorme, mec. J'adore ton humour, mec. Mec. Ouais. Je crois que c'était un Jedi. Oh, du coup, on pouvait passer par là, regardez. Oh, c'est bon, on a trouvé. Donc, il y a un passage qui est bloqué par un mur invisible. Bon, ça peut arriver, j'imagine. Tu joues à distance ou pas ton Crash ? Tu joues à distance ton perso ? Ouais, mais la barrière, j'ai eu légendaire un passif cac. Tu reroll ? Rospé. Salut Mamika, comment ça va? C'est cool hein, c'est très très cool hein. Je suis trop content que vous ayez voté pour l'assassin parce que l'assassin je l'avais vraiment pas joué. En tout cas je l'avais pas joué comme ça, je l'avais joué à distance et je suis très content de le tester comme ça. Évidemment. Je suis en mode Archonte, c'est un Archonte. Ta goule, tu Bambi. Quel monstre. J'ai envie d'éclater toute la map à chaque fois, j'ai envie de tout fouiller, tout éclater. Moi je bondis moi. Je vous arrive dessus en piqué des gueules. C'est vrai qu'il y aura des skins de ça. C'est un marchand. Alors, ordinaire, tous les objets. What do you need? Prava sent me. I'm looking for Vigo. You and that nuisance. C'est M. Vortensen ou pas? Girl's been nagging us about that demon woman all week. Vigo's gone, looking into her claims. He should be at the mining camp north of here. All escort of knights went missing there last week. Ouais, les caravanes assiégées, si c'est comme dans la bêta, où il faut protéger les connards, là. Je sais qu'il y avait des quêtes à chaque fois où il fallait protéger les connards, ils prenaient trop trop cher. Steady supply of, shall we say, specimens for the clergy nearby. However, their desire for knowledge has become more dangerous to satisfy. Attends, c'est quoi des spécimens de quoi? Un monstre de cou. Un monstre de cœur de goule. Ah ouais, des spécimens. Ah, même des cadavres. Ouais, non, mais les escortes dans tous les jeux. Il n'y a pas un seul jeu qui fait des escortes correctes. Moi, ça me rend fou. C'est pour ça que j'aime pas God of War. Tu passes ton temps à escorter un petit con, quoi. En fait, j'ai l'impression que dans les jeux, quand il y a un pet, peu importe, un pet, une escorte, un machin, ça me saoule. Genre, si je joue Hunt,
J'ai pas encore joué Hunt vraiment sur WoW, enfin je l'ai fait mais il y a longtemps. Je choisis l'aspect où il n'y a pas de pet. Ça me saoule. Ça me saoule d'avoir un truc qui me suit, ou qui me dit quoi faire, ou qui monte. Ça m'emmerde terriblement. Ça peut être bien, ça sera bien j'imagine un jour où l'IA sera suffisamment trop forte pour te faire croire que c'est pas une IA et que c'est littéralement une autre personne à qui tu lis des liens, etc. qui peut te répondre correctement. Un peu, enfin, pour l'instant, c'est des trucs codés, c'est des scripts, tu vois. C'est pas vraiment des IA, elles ont pas une intelligence artificielle, elles sont pas suantantes. Enfin, bref, c'est pas comme ChatGPT qui peut vraiment te répondre, tu vois. J'ai entendu lui parler à quelqu'un, une autre femme. J'ai été pour les confronter, mais ils ont fui vers une étrange lumière dans la. Ok, Christina, t'inquiète, Christina. On va s'en soucier, on va faire ça. Je pense que c'est temps que j'ai été après lui, mais la forêt est dangereuse. C'est dangereux. Tu veux que je t'accompagne dans la forêt? Ouais. Un autre jour peut-être, Christina. Un autre jour. The forest is dangerous. Allez, on va... Il faut aller trouver Féodore. Ah, je crois que je l'avais déjà fait dans la... On va aller retrouver Féodore. Avant ça, je vais aller faire... Let's go. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Ah oui, on doit emmener Christina. Oh, oh, quel plaisir ça! Comment elles se font déchirer la nuque là! Aïe. C'est bourré de détails partout, elles se sont vraiment gavées partout. Récupérer les cœurs de Gugul. Il en faut 65, c'est ça? Les gens qui crachent et qui ont une heure de Q, c'est le seul point noir que j'ai peu. J'ai pu remarquer, perso, sans jouer. Bah ouais, normal, vieux fou. Normal. Ça, c'est vrai que c'est un... Ah, le pot! Non! Lâchez-le! Oh, la giclure! Grosse giclure! Grosse canaille! J'arrive comme ça au pai-pai! Il est bien, notre combo, là. Il est trop bien, ce combo, hein. C'est sombre as fuck. Limite, je trouve le jeu pas encore assez sombre. Parce que, en fait, là dans les zones comme ça, c'est bien. Dans les zones comme ça, c'est pas mal en termes de. D'ambiance. Par contre, dehors, je trouve, et dans les cinématiques, je trouve qu'il y a pas... Le gamma, il me plaît pas. Je vais voir si on peut gérer ça. J'avais pas vu la chef qui s'est pris une tatane. C'est pour PNJ qui se demande pourquoi une femme avec deux dagues s'acharne sur eux. Mais non, je suis parti, je les ai aidés. Ah là, je la vois. Vous la voyez, vous? Moi, je la vois, ouais. Je sais ce que le logo soit à peine visible. Bonjour. Logo à peine visible. Là, c'est à peine visible. Vous la voyez, vous? C'est à peine visible. Là, c'est bien. Vous la voyez? Ah, vous la voyez pas, je pense. Je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà. Je vois carrément rien. Ah bah après, moi, j'ai des écrans qui sont bien calibrés. Désolé, mais ça, c'est votre problème, par contre. Moi, je sais qu'ils sont pas... c'était mon taf avant. Il fallait que mes écrans... Tu vois, Yanislo? Bah, c'est pareil. C'est peut-être... Peut-être que ton écran est pas calibré dans le bon sens, du coup. Quand tu fais de la photo, du traitement photo, t'as envie que ton écran, et ça reçoit exactement ce que t'es censé voir et pas n'importe quoi.
Et donc, moi, là, j'avoue, ça, moi, c'est le premier truc que je fais sur mes écrans. Non, mais en jeu, c'est ok. Ouais, c'est ok en jeu, ouais. Mais c'est bien que ça soit sombre, c'est bien, c'est bien. Faut pas que ça soit trop sombre que pas, ça. Oh, ouais! Oh, les petits bouts, là! Les petits bouts qui jartent, là, j'adore! En fait, vous avez remarqué aussi un truc. Il est aussi bien que le 3. Ah bah, il sera largement mieux, Yannis. Largement mieux. Large. Rien à voir, en fait. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le 3 et le 2. Le meilleur du 3 et du 2, et un peu de Diablo Immortal aussi, parce qu'il y a des trucs qu'ils ont emporté dans le Diablo Immortal qui étaient bien. Après, j'y ai pas joué, mais j'ai entendu parler quand même. J'y ai joué un tout petit peu. Pas suffisamment pour me faire un avis cohérent, mais... C'est le meilleur des deux. Le meilleur des trois, du coup. Ils ont pris les meilleurs trucs et ils en ont fait un truc unique de Diablo 4, mais... hâte de voir ça, bah c'est génial. Ce que j'adore dans le jeu, là... Oh là là, c'est... Juste ça, c'est dégueulasse, mais ça marche trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand tu butes un mec, t'as le ragdoll qui suit le mouvement. Ça paraît con comme ça, mais suivant les coups que tu mets dans la gueule, si t'as un mouvement qui pivote, eh ben... Les cadavres vont se jarter en même temps que le... Dans le même mouvement, si tu veux. C'est trop cool. Si c'est qu'on s'en prend plein le cul, je sais pas. Boire un verre d'abord, non? Oh, regarde. Oh, les effets, là, de crasse, là. Oh, ouais. Oh, quel plaisir! Et vous voyez, les dagues qui reviennent, ça, c'est en fait, c'est ce combo-là, c'est moi qui le fais, quoi. Je suis obligé de le faire, en fait. Et je pense qu'il y en a plein d'autres comme ça. C'est des combos qui ont été prévus par le jeu, clairement. Récolter de l'animus. Ah merde, c'est pas ça. Ça a l'air ultra fluide. Ça l'est, et encore je trouve que justement il y a des petites pertes de... Voilà, moi j'ai pas l'impression que le jeu il est à 99 FPS, c'est marqué les FPS en dessous de moi. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit aussi fluide que ça le devrait. Et en plus, je vous dis, là, on joue un assassin, donc c'est des petites attaques, etc. On jouerait un barbare, les trucs, ça péterait dans tous les sens, ça exploserait et tout. Ça serait vraiment encore complètement différent comme feeling. Et encore, c'est pas vous qui appuyez sur les boutons, mais je vous garantis qu'on n'a toujours pas joué avec les avant-distance. Hein. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Non, non, tu te TP pas, mon gars. Tu te TP pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une... Trop bien. I have come to these caves to be in service for my master. He has promised me both life and blood. Is there witness if the world crumbles? I crave such strength. I weak. Et donc il y a un truc pour chaque classe après. Ça dialogue bien, ouais, m'attendre d'où. On a eu la chance, on n'a pas eu de déco, on en a eu une au tout début, j'ai eu très peur. J'ai pas relancé le jeu, j'ai bien fait. Wow, les dégâts. Oh. Ouais, faut faire gaffe hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok, première difficulté, clairement faut sortir les doigts là. Je pense que les gens qui connaissent pas trop le jeu là, ils se seraient fait imposer 14 fois, hein. C'est sûr. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je veux dire... Il y a du réflexe à avoir, un tout petit peu.
un casu, je veux dire, de jeux vidéo, peu importe. Moi, je connais pas spécialement bien le jeu, là, mais vous avez compris, j'espère. Ouais, il y a un choix de difficulté, là on est en difficulté 2 pour l'instant. C'est là, c'est marqué ici. C'est pas un pause, on dirait un pause là au-dessus. Mais non, c'est difficulté 2. Sachant qu'il y a la première, il y a la 2, et après la 3 débloquable plus tard, la 4 aussi plus tard, j'imagine. Mais je sais pas jusqu'où on peut aller dans la. Donc là on a débloqué ça. Le renom du coup. Avec donc ça nous fait gagner 3000 pièces d'or. Un point de compétence. Récupérer tout de suite. Et le point de compétence, c'est pour tous les persos. Vous voyez, quand on a cette icône-là, ça veut dire que c'est tous les persos qui vont récupérer ça. De notre compte. Donc, trop bien. Et ça, c'est juste pour les pics brisés. Pour l'instant, on a pas les autres régions, mais il y aura ça aussi sur les autres régions. Trop bien. Il y a un gars qui a eu le même problème. Il est revenu en arrière, fait table, il a pu passer. Ok, vieux fou. Intéressant. Pas assez d'animus pour remplir... donc on a ça. On a deux points disponibles du coup maintenant. La cible blessée par célérité subit 20% de dégâts critiques supplémentaires de votre part. Ou alors... Temps de recharge de pas de l'ombre réduit 3 secondes lorsqu'il inflige des dégâts à une cible que vous n'avez pas touchée avec pas de l'ombre au cours des 4 dernières secondes. 3 secondes de moins ou alors étourdi. Prendre les... le cooldown. Cooldown. Subissant un effet de perte de contrôle réduit son temps de recharge. Ok, ou alors l'autre c'est. Célérité ralentit les cibles touchées de 30% pendant 3 secondes, les cibles déjà ralenties sont DBT pendant 2 secondes à la place. Uh-huh. Ouais, je sais pas si c'est bien fort ça. Infliger des dégâts accélérités à des adversaires subissant un effet de perte de contrôle réduit son temps de recharge de 0,5 secondes. C'est beaucoup de setup ça. Bizarre. Joli l'arbre de talent. Ouais. Bien, rien à voir, ouais. Rien à voir. Et encore, il n'y a pas le parangon. Je suis pas sûr qu'on puisse le voir dans la bêta. Je crois que le. C'est quel niveau? Je vais pas me faire spoil trop, je file. Je comprends, mais en même temps. C'est 50. C'est... Sur la bêta, c'est 50 là? Ouais, là, je crois que c'est. Non, c'est, 20, 20... c'est 25, c'est sûr, Madrega, parce qu'il y a un truc à récupérer au niveau 25. C'est 25, hein. Ouais, ok. Le niveau max, c'est pas du tout 50, par contre, Nightcrash, c'est sûr. Mais le parangon, c'est 50, ouais, c'est marqué là. Mais le niveau max, t'as encore un niveau max après. Tu débloques ton parangon au niveau 50, et après, en plus de ça, tu peux monter ton niveau. Ok, quand même, mais je préfère... c'est pas évident. Normalement, t'arrives au niveau max, et après tu montes ton parangon. Là, tu montes niveau 50, tu débloques ton parangon et tu continues de monter. Parangon qui est pas du tout foutu comme sur Diablo 3. Il va être beaucoup mieux. J'aimerais bien pouvoir le montrer, mais on pourra pas. J'en ferai peut-être des vidéos. J'aimerais trop faire des vidéos YouTube là-dessus, mais j'ai pas le temps et la recherche d'appart me prend. Toute ma motivation. Et ma santé mentale actuellement. Vraiment plein de cul hein, de ça. J'ai très hâte de juste me poser mon cerveau, d'être enfin ailleurs. Pour continuer à bosser. Oh, c'est trop mignon, Amika. Comment ils s'appellent ? Volko de Lac ? C'est pas des vrais noms ça. Putain, j'ai laissé un truc d'animus ici, t'es sérieux? Et c'est ça qui me manquait. Ah, pas ouf ça. Oh non. I need time to do that. Thank you.
Excellent. Les ambiances, hein. Trop trop bien faites, hein, ces zones-là. C'est fou. J'adore. Oh, premier léger. Premier légendaire. Ce sont des bottes. Et les bottes, c'est forcément bien. Ça aurait été un arc, ça m'aurait fait chier parce que je joue pas avec l'arc, tu vois. Oh, oh, let's go. Bottine en plaque d'os de mutilation. L'esquive confère vraiment 40% à la vitesse de déplacement. Stylé. 1% de chance d'esquiver, 15% de chance de résistance, 3 dext. Donc plus de dégâts, 9,5% de résistance, on s'en fout. En infligeant des dégâts directs à une cible vulnérable, vous avez jusqu'à 41% de chance de l'ébêter pendant 2 secondes. Très stylé. Et donc... Oh putain, la dague. Plus 53. Waouh. Damn. Il va voir la gueule des bottes. Eh, pas mal en vrai. Même juste des bottes, d'habitude des bottes c'est dégueulasse quoi. Stylé. Ouais, j'adore. Bon stuff. Ouais, les deux, là. Oh, c'est trop cool. Trop, trop cool. Trop, 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 trop cool. Donc là, je fais ça. Et là, tu vois, je cours plus vite parce que j'ai esquivé, quoi. Yes. On a un point de compétence supplémentaire, by the way. Parce que je l'avais pas mis, en fait, tout simplement. Où est-ce que je peux le mettre? Je pourrais trouver d'autres trucs à jouer aussi. Je pourrais d'autres trucs. Attaquer une cible en menace qui enfuit son. Ah, mais je peux faire plus mal, tout simplement aussi. C'est vrai qu'en fait, on peut en rajouter là-dessus. Regardez rapidement une victime. Attends. Infliger dégâts à une cible. Lorsque vous traversez les ennemis pendant que. Ça fait quoi? Dégâts suivants. Rang suivant, c'est juste plus de dégâts. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, alors que là, rang suivant, ça passe de... Et mieux, ça. Dégâts de perforation. Ça. Un torse légendaire qui fait des épaulettes en os. Waouh, trop cool. Les skins ont l'air sympas. Ouais, ouais, ouais. Ah, les skins sont insane. Hein. C'est pour ça, moi, ça me dérange pas. Quand je sais ce qu'ils vont vendre dans la boutique, les gens sont là, genre, eh, quoi, la boutique? Ah ouais, il y a des trucs que tu peux acheter dans la vie. Excusez-moi, enfin... Est-ce que c'est... Je pense que c'est les gens... Ils vont dans un supermarché, ils font... C'est honteux, vous vendez des trucs! Bah, ouais, 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 ouais. Je te jure, c'est pas mal, hein. Des fois, c'est pas mal, hein. Je te jure, hein. Ouais, ouais, on vend des trucs, ouais, c'est fou, ouais. Mais c'est payant, en plus! Bah oui, c'est le principe de acheter. Puisqu'à un moment donné, tu payes quelque chose. N'avais pas honte. Ouais, ouais, de ouf. Ah non, voilà, parce que c'est nécessaire dans un stylo, mais... Un stylo à plume, personne connaît ça. Oh. Oh. I'm not ready yet. I can gaz man yet. Oh là là, oh là là, ça tape fort, hein. C'est un peu fort, hein, maintenant, hein. Oh. Faut libérer les prisonniers. Voilà, tu peux faire des petits allers-retours comme ça. Moi, j'aime bien faire le genre. Ah ouais, d'accord. On sait ce qu'il y aura dans les passes saisonniers, des skins uniquement ou autres. Aucune idée. Mec, j'en ai aucune idée. Je crois qu'ils en ont parlé déjà. Pour regarder si tu veux. Mais je crois qu'ils en ont parlé, ouais. Très certainement des armes ou des trucs... Des trucs qu'il n'y aura que cette saison-là, un peu comme ce qu'ils font déjà dans Diablo 3.
Mais attends. Qui reviennent pas sur le système de Immortal. C'était quoi le système dans Immortal? Je pense que, en vrai, pour moi, Immortal, c'est même pas un jeu bizarre. Enfin, ok, il y a marqué leur nom dessus, mais. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est sexy, ça, hein. Oh, oh. C'est dommage. Dommage, il n'y avait plus rien à buter quoi. Toujours au pire moment, ces trucs-là. Ah si. Immortal de base, on n'était pas plus vite, ouais, clairement. Je veux dire, nous, Européens, on n'était pas le public visé, et en plus de ça... Les gens sur PC, les gens sur console, c'était pas le but, c'était les gens qui jouent, qui ne font que jouer sur portable. Le vrai cœur de cible, c'était ça. Moi, je joue jamais sur portable. Hein. C'est pas du tout ma façon de consommer les jeux, quoi. Ça me parlait pas du tout. Si tu payes, ça drop, si tu payes pas, try again. Ah non, rien à voir. Non, il n'y aura pas du tout ce système-là. Ils l'ont déjà dit plusieurs fois, ils l'ont confirmé des tonnes de fois, parce que les gens avaient peur de ça, et... Il n'y a aucune chance que ça arrive. S'ils font ça, le jeu il est mort, donc ils le savent. Hein. Et ce que je disais aussi, c'est que là, de toute façon, ils n'ont plus droit à l'erreur, en fait. Ils sont pris par les balls, là. Si Diablo 4, c'est de la merde... C'est pas la fin de Blizzard, mais franchement, ça y contribuera très fortement. Donc ils savent très bien que là, ils ont plus rien. Ils ont plus de marge de manœuvre. Hein. Ils sont obligés de faire un jeu qui est correct. Au moins correct, ou alors excellent. Et là, pour l'instant, c'est plutôt parti pour du excellent, quand même. Un arc en acier. Nouvel aspect de froid pénétrant, appuyé sur Y pour consulter le codex de puissance. Ah, voilà! Quoi? Attends, non, je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis pas au courant, ça. Sorcier, druide... Les éclats de glace perforent 3 fois les adversaires en infligeant 25% de dégâts au moins chaque cible de jeu. Qu'est-ce que c'est ça? What? L'icône, elle est incroyable déjà. Quoi ? Pour imprégner les aspects dans des armes, ce que j'ai compris, c'est des enchantes comme sur WoW. Ah ouais ? Alors ça, tu vois, pas une seule trace de ça dans la bêta, la close bêta. J'ai jamais entendu parler de ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque classe aussi, chaque classe a un truc en particulier. Je crois que tu les débloques en général au niveau 20. Si j'ai pas de conneries, peut-être plutôt pour le nécromancien, mais chaque classe, bah non, plutôt pour le barbare aussi, tu vois. Mais chaque classe a un truc. Le barbare, c'est l'arsenal, ok ? Donc il peut choisir suivant les sorts... Enfin, en gros, il a l'arsenal, mais du coup, il peut mettre des points en plus dans certaines armes pour développer d'autres trucs, et dans... Enfin bref, voilà. T'as le livre des morts pour le nécromancien, t'as les offrandes pour le druide, t'as... les enchantements pour le sorcier... Il y a quoi d'autre? Et l'assassin, je sais plus, c'est des sortes de... Justement, je sais plus pour l'assassin. Mais en gros, je crois que c'est une sorte d'aspect, en fait.
où tu peux choisir l'aspect de l'ombre, aspect, aspect machin, aspect de poison, aspect je sais pas quoi. Et du coup, il faudra que je du coup, on va le redécouvrir là. Il me semble qu'il y avait une quête à faire pour tout ça. À chaque fois, tu fais une quête, il me semble. Pour tous les persos, je crois que t'as besoin de faire une petite quête. T'as fait un clan ? Ouais. Moi, le clan s'appelle La Forge. Apparemment, c'est chiant à trouver parce qu'on n'est pas du tout les seuls à s'appeler La Forge. Oui. Chineur, promouvoir. Membre. Promouvoir. Officier. Ouais. Shinshiro. Promouvoir. Mimino-1. Promouvoir. Vas-y, démerdez-vous. Rajoutez des gens si vous voulez. Attends, ouais, c'est vrai, on pourrait regarder à quoi ça ressemble. T'as vu, il est stylé, hein. Il est pas trop stylé, notre logo. Oh, en vrai, oh, ce logo sur un t-shirt. C'est oui ou c'est oui? Incroyable! Mais oui! Mais je veux un t-shirt comme ça en fait! Moi je vais tellement le pomper, j'en ai rien à foutre! Oh putain, il est incroyable en vrai! C'est oui direct! Il est incroyable! C'est une flamme avec un crâne comme ça là! C'est un balrog! Sorte de balrog! Oh, je kiffe en fait! Je suis un génie! La frange! La forge! Mojo! La forge! Forge! La forge! Walk and vibe. Ah, je vois pas à quoi il ressemble. Minimoa, il pleure. Regardez, Minimoa, il pleure. Sale émo, va. C'était quoi le nom de ta guilde? Non, mais ici on s'appelle La Forge parce qu'on a du feu et du métal. Voilà. Comment on fait pour TP? Quitter. On a juste à cliquer! On a juste à cliquer! D'accord, donc c'est confirmé! C'est confirmé, il n'y a plus de scroll. Il n'y a plus de scrolls. Et on peut TP à la fin du donjon une fois qu'on l'a terminé. Oh oui, merci putain, ils ont... Ils m'ont entendu parce que ça, dans le, je l'ai mis hein, dans les FAQ. Dans le... Ils te demandent à chaque fois que tu finis un niveau, ils te disent alors, qu'est-ce que t'en penses de notre jeu? Il est bien ou pas? Et total, là, tu fais bah ouais. Ouais, c'est bien, mais ça pue la merde et tout. Merci, Firmin. Alors, ça va faire. Sévère, sévère, ça, Diablotte sévère, c'est très très cool. Hein. Ah c'est ça que Shinshiro il disait que c'était colère. J'essaie de faire les doublages d'items qui drop. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui putain ouais ils sont colère ouais. Eh, tu lâches mes petits potes, toi. Oh là, je suis en plein lag, là, par contre. Pas ouf. Nice. J'attends la semaine pro de mon côté. Moi, je serai sans doute pas là. Je serai pas là la semaine pro. Je serai chez Cibou. Donc, ouais, là, on lag. Hein. Ah ouais, on est sur du bon lag. Hein. Latence, pourtant, hein, ça va. Faut trouver le mari de Christina, là, dans ce merdier. Peut-être sous ce caillou se cachera le mari de Christina. Fut de voyageur. Je sais, on dit un fut, merci. Excusez-moi.
Et vous, vous kiffez pour l'instant? Ceux qui jouent, ceux qui jouent pas? Ça vous donne envie, ceux qui regardaient? C'est intéressant à regarder pour l'instant? Est-ce que vous pensez que ça, à terme, en stream, ça peut être un truc intéressant à suivre? Par exemple, pendant un marathon, je ne sais pas. Ou même après le marathon, ouais, ça peut être intéressant. Je pense que j'aurais envie d'y jouer, quoi. J'espère, en tout cas. Et salut, Fallen. Dis donc, ça serait pas ton mari, ça? Et t'as les poussé à la salle, non? T'as perdu un peu, non? T'es sec, je veux dire, là, t'es sec. On voit bien, là, t'es bien nervuré, hein, bien calme, bien calme. Such pain. I must have more. What? Fyodor? How is it that you... More. Please, go after that woman who did this to him. More. 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 Mmh. Il est possédé, ouais. Avec un petit côté survie plus housing, j'achèterais, mais là dans l'état, j'ai déjà pas fini Wolsen. Housing dans le jeu, je m'étonnerais. On a fini là? Ah non, faut aller trouver la meuf qui lui a fait ça. La meuf qui vient de se barrer, du coup, c'est là. Bah, dis donc. No surprise, Fyodor was drawn to me. À tes charmes, fais voir ta gueule. Mais t'es dégueulasse! His petty soul has been torn asunder by agony. C'est pas la meuf? C'est pas la meuf de la chapelle là qui tabasse le curé? Ah. Wow. Attends, fais voir. Ça y est, je me souviens. C'est censé être une succube. Et les gens avaient gueulé, les gros nerds avaient gueulé, genre oh, « Waouh, elles sont plus à poil les succubes! On peut plus voir les tétons! Oui! C'est n'importe quoi! Moi, comment je fais si je peux pas me branler sur les succubes de Diablo ?» C'est un jeu pas mal quand tu viens de te prendre branlé sur Valorant. Jamais fait un Diablo avant, mais pas trop hack and slash habituellement, rien contre. Je me suis juste jamais mis. Ça me donnerait bien envie d'essayer. Ah. You are mon beau barbu. Le endgame. Le endgame fera toute la diff, effectivement, c'est ça qu'on veut voir. Merci Bacon pour les 47 mois. Comment tu vas-tu? Alors, attendez, on a débloqué quoi? On en est sur le... Combien? 1, 2, 3, 4ème node. Alors, dissimule. Vous devenez invisible. Ce qui confère pendant 4 secondes une forme avancée de camouflage qui ne dissipe pas lorsque vous subissez des dégâts. Dissimulation vous rend aussi inarrêtable, augmente votre vitesse de déplacement de 25%, vous permet de vous mouvoir librement par les... Ouais, c'est le Shadow Power, quoi, de l'autre. Non, Cloak of Shadow, je sais pas quoi, bref. Bombe fumigène. Vous lancez une concussion fumante sur vos adversaires, ce qui les hébète pendant 4 secondes, pourquoi pas. Piège de poison, vous placez un piège qui s'arme au bout de 1,25 secondes et s'active lorsqu'une cible passe à portée. Ceux qui appliquent sans son point de dégâts de poison, ça se trouve dans la zone affectée. C'est alors très très chiant. Sombre voile. Vous vous entourez de 5 ombres protectrices au maximum. Vous obtenez 8% de réduction de dégâts pour chaque ombre active. Chaque fois que vous subissez des dégâts directs, ces dégâts sont réduits et une ombre est consommée. Dac. Ça peut être pas mal pour notre build de ça. Je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant. Ça peut rendre les adversaires vulnérables. La compétence qui annule dissimulation inflige un coup critique garanti. Oh. Ok. J'avoue, je trouve pas ça normal. Une succube, c'est à poil ou Riot. Lancez une concussion fumante sur vos adversaires, ce qui les abaisse pendant 4 secondes, donc ça va enlever. Infliger des dégâts directs à une cible affectée par bombe fumigène a 25% de chance de réduire son temps de recharge d'une seconde ou de 2 secondes si la cible est vulnérable. Wow. Ça peut être bien ça. On part sur la bombe fumigène, à votre avis,
On est dissimulé ou on bombe fumigène. Pour moi les deux autres c'est pas on veut pas jouer avec ça. C'est le sombre voile pourquoi pas mais j'ai envie de taper fort là. Ça pour moi c'est pour du distance hein. Ça va pas trop comboter avec ce qu'on a. Du coup, ça bouge vite. J'ai l'impression que ça va pas bouger vite. Je sais pas, on sait rien. Ça peut être bien aussi ça. Bon fumigène ou dissimu? Dissimulation en gros on sort du fufu et on peut crit les ennemis. Et en plus de ça on est turbo fufu. Et la bombe fumigène, bah c'est une zone, ça va rendre les gens à l'intérieur, on va leur faire mal quoi. Why we parling about R34? Mais on parle pas à partir de R34, dans le jeu il y a des succubes. Dans le 2 on voyait les nibars, dans le 4 on voit pas les nibars. Voilà. Ça combote bien avec tes bottes, bombe fufu. Du coup, ah oui attends. Enfin bien vu toi, t'es malin. Les gens des dégâts directs, une cible vulnérable, vous avez jusqu'à 40% de chance de l'ébite. Oh ouais, t'as raison, mais ouais, bien vu. Donc vulnérable, ça les rend vulnérables, hein, c'est ça? Ah non! Attends, c'est quoi? Ah non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Faudrait trouver le truc. Ah, les compétences qui annulent la simulation rendent les adversaires vulnérables pendant 3 secondes. C'est ça en fait qu'il faut. C'est ça qu'il faut en fait. Pour. C'est quoi qui peut rendre vulnérable alors ici? Attends. Très simple. Vulnérable. Ok. Non, ça c'est vulnérable pendant 3 secondes. Oh! Toucher une cible avec frappe revigorante alors que vous avez moins de 50% d'énergie rend celle-ci vulnérable pendant 3 secondes. Là, ce qu'on a pris, ça marche pas du tout, du coup. Hein. Et ça, rafale, vous déclenchez une rafale de couilles, frappez les adversaires. Moi j'aime beaucoup ça, moi je suis désolé, hormis, mais moi j'aime bien ça. Sinon il y a ça. Ok. Ok, givre, là on a donc givre, poison, c'est ce que je disais, ombre, givre, poison. Maîtrise des pièges. Ouais, d'accord. Donc il faudrait juste qu'on change ça. Au lieu de jouer le passage des lames, on doit jouer ça. Vous attaquez une cible en mêlée, ce qui lui inflige 36% de dégâts et augmente votre régénération d'énergie de 20%. C'est ça qu'il nous faut en fait. Ouais. Ok. Chaque fois que Raphaël inflige des dégâts à une cible vulnérable, attends. Ça c'est. Une cible vulnérable. Non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui rendent vulnérable, en fait. J'ai l'impression. Mais est-ce qu'on est sûr que vulnérable, c'est pas un truc qui prog comme ça au pif? Genre une sorte de crit, quoi. Moi, j'aime bien ça aussi, hein, les gars. Je sais que Rafale, ça a l'air bien et tout, mais j'avais joué pendant la bêta et. On est sûr que vulnérable, c'est pas un truc qui prend comme ça au pif aussi.
Genre tu tapes et de temps en temps, bam, ça passe au général. T'inquiète, Shingo Kadan, c'est pas grave. j'ai vu. T'as le droit. Ici, on a des experts. Vous avez le droit de tester les blagues. Je vous encourage. Même si c'est cringe. Je suis expert en cringe, moi j'ai rien à dire. Je crois que vulnérable... Il me semble qu'il y avait ça. En anglais, c'est un autre mot. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est pas overpower ou je sais pas quoi. Là. Peut-être que ça a encore rien à voir, ça. Ah, c'est peut-être en fonction de la classe. Genre overpower, c'est pour le... Ah ouais. Weakness. Vulnerable. Salut Goldtag. Ok, on va jouer ça. De toute façon. Tac. Ok. C'est quoi ça? Frappe vigorante. I need more time. If it's a reward you want. Take the dagger from his chest and leave me be. Une dague de qualité. Oh bah je récupère la dague. Au revoir monsieur hein. Plaisir hein. Tu mérites bien pire que la compassion que je viens de témoigner. Ah ouais. Oh Christina. Waouh. Oh le pardon. On n'a pas le droit au pardon avec Christina apparemment. Ok, donc là. Nice. J'espère que tu as eu un Miam avant, une déco pour prendre un Burger King. Diablo te laisse 90 minutes pour le manger. Ah oui. Non, mais je vais me faire un petit cup noodle d'ici une heure. Je vais manger un peu tard là. Moi je pense que vulnérable c'est y a très peu de trucs qui appliquent vulnérable en fait, c'est bizarre. Donc, je pense que vulnérable c'est peut-être un truc qui... Je sais pas. Nullité fatale. Nullité bleue, ça rien. Mal au trou bleu. Nullité fatale, j'aime bien. Vas-y. Salade ton quoi? Ce sont 10 boulasses pour l'édition de base, combien? Oh merde. Oh, ça me saoule ce débat, les amis, hein, je vous jure. Prenez pas si ça vous plaît pas, mais... Tu préfères quoi? Tu préfères payer un abonnement Enfin... En fait... Faut arrêter de penser pognon, ouais, c'est cher et tout. Réfléchissez, investissement... Combien d'heures jouées par euro? 70 euros. Combien d'heures tu vas y jouer derrière? Voilà. Juste. C'est un jeu comme Diablo, tu vas minimum mettre 200 heures dedans. Allez, tu vas minimum mettre 100 heures dedans. Minimum. Normalement, n'importe qui va mettre au moins 100 heures dans le jeu. C'est rentable, déjà. Non, à 70 balles, par contre, ça fait longtemps que c'est à 70 balles les jeux qui sortent. Hein. Ça fait très longtemps. Hein. Et oui, tout augmente et tout, c'est la société moderne. Qu'est-ce bruit de l'enfer?
Oh, la société moderne. Si 70 balles, c'est trop cher, effectivement, c'est toujours pareil. Mais si tu veux, moi je fais partie de ces gens-là qui pensent que dans la vie, il y a des trucs qui ont un prix. C'est comme ça. Quand tu vas au cinéma, ça fait, tu as des trucs pour... Si vous voulez vous offusquer pour le prix, vous avez le droit de vous offusquer pour un prix, mais dans ce cas-là, faites-le pour tout. Parce que quand vous payez, quand vous allez dans un resto, vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah quoi, c'est vachement cher pour un steak que je vais chier dans 4 heures !» Tu vois, enfin, tu vas au ciné, ça coûte la peau du fiac. Tu payes un ciné, tu vas rester une heure et demie, tu payes 15 balles. C'est pas plus. Si tu vas voir en 3D ou je sais pas quoi, tu payes 15-20 balles. Et t'es resté une heure et demie, deux heures, allez, vas-y, deux heures dans un truc. 70 balles. Pour un jeu que tu vas garder et que tu vas pouvoir jouer pendant 3-4 ans, easy. Regarde Diablo 3 quand il est sorti, moi j'y joue encore aujourd'hui, il est sorti en 2012, ça. 11 ans, bah c'est rentable. Je l'ai payé en version collector, je suis très content de l'avoir fait, à aucun moment j'en ai eu... J'ai regretté d'avoir payé la version collector de mon jeu Diablo, quoi. Après vous faites ce que vous voulez. Juste, je trouve ça honnête, quoi, pour le prix, le temps que tu vas passer dedans. C'est honnête, ça fait un peu chier sur le coup, mais en vrai, voilà. C'est comme ça. Si je bouffe pas au resto, je vais pas au ciné. Hein ? Entre ciné, resto et jeux vidéo, c'est vachement plus rentable. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Et là, du coup, chez Blizzard, ça peut prendre longtemps. Ouais, mais tu sais... C'est moins vrai maintenant qu'il y a pléthore de jeux dispo par divers moyens, que le temps des joueurs n'est pas extensible, la part des hardcore players ne doit plus représenter l'essentiel des joueurs. C'est vrai. Mais moi je réfléchis comme ça maintenant. Prix du jeu égale combien d'heures tu vas foutre dedans, comparé au prix qui t'a coûté, tu fais un ratio nombre d'heures jouées, slash, enfin sur le nombre, sur la thune. Si t'es à plus d'une heure par euro, ton ratio il est ok. Si tu payes un Call of Duty 60 balles et que tu y as joué, que tu as joué 15 heures, c'est pas rentable. Donc là, ça me pose un problème. Alors tu joues 15 heures parce que tu fais ton mode histoire, etc. sur un jeu et tout, bah, 60 balles, t'as payé 60 boules et tu t'es bien fait en tubax. Voilà. Sinon, il y a Game Pass, effectivement. Game Pass, t'es bien. Sur un jeu comme ça, sur lequel tu vas sync un nombre d'heures colossal, en général, sinon ça veut dire que tu t'es trompé et là, c'est de ta faute. T'es trompé sur la marchandise, il y a plein de trucs avant de te mettre à... Bah non, je te connais pas, moi. J'ai une tête de héros. Avec mes yeux de panda, là. Ah non, moi, je suis là pour assassiner, hein. Fais gaffe à ta gueule. Job at stake here. Come on. Let's get this over with. C'est pas scandaleux, mais ils le font
Ils se font plaisir. Je suis pas sûr qu'ils fassent tant plaisir que ça. Tu sais, c'est le nombre d'années qu'ils ont passé à développer le jeu. Il y a des jeux qui se vendent autant. Il y a des jeux qui se vendent autant. Et en termes de rentabilité, de développement, etc., ça a été développé en 2 ans. Ça a été développé en combien d'années, Diablo 4 hein. Je suis pas sûr qu'ils se mettent si bien que ça non plus. Ok, c'est Activision, donc oui, ils s'en mettent plein les fouilles, on est d'accord. Mais c'est pas juste parce qu'ils ont vendu le truc 70 balles. Il vaut combien des 4 ? Bah apparemment 70 balles je crois. Je t'avoue je sais pas. Apparemment c'est 70 balles. Moi il me semblait qu'il était à 60 mais après. The damn hoist is stuck. They've got to go on foot. Look out! Exactement Mojo, exactement. Ça coûtait déjà 60 balles, je me souviens. Ça coûtait 360 francs, je me souviens, il y avait des jeux qui coûtaient 360 francs, les jeux de PlayStation et tout. J'en payais à 360 balles moi. Mais Malf, je t'ai pas dit tout à l'heure, hein, je pense, sur le... je t'ai pas remercié. Hein. Donc merci, mec. Pour le resub, tier 2, tout ça. Merci beaucoup. Et by the way, Malf, si jamais, hein, tu vois passer une place pour le Hellfest, je suis chaud. Pas pour moi, mais... Je suis chaud tout pour... Si jamais. Hein. Plus de 20 heures de jeu. Ah non, mais moi, justement, je suis... Ouais, s'il y a des jeux que j'ai payés à 60 balles, ça fait déjà chier. Hein. 20 heures de jeu pour un jeu à 60 balles, c'est... moi, ça me fait chier. Je pense que j'en ai. Je dois en avoir. Mais parce que c'est mon taf aussi, de vous proposer des jeux parfois en stream et tout, j'ai pas le choix. Mais... Quand tu vois des jeux à 40 balles et t'es là, tu dis bon, bah, je vais rajouter 20 balles dans le Year Pass de SnowRunner et l'année prochaine, je vais devoir payer 20 balles, on est où? Sauf que à chaque 20 balles, tu rajoutes 200 heures de jeu, bon ben bah, là, c'est le ratio, il est explosé, quoi, tu vois. T'es à 10 heures par euro, plus de 10 heures par euro, c'est propre, tu vois. Il y a des jeux, t'es en négatif, quoi, en termes de ratio. Attends, faut faire quoi déjà? Rendez-vous à la porte, c'est là avec Vigo. Okay. C'est noté. Ou si t'entends parler de potes, toi qui veux y aller et tout, ça m'intéresse de ouf. Parce que en fait, c'est même pas que ça m'intéresse, c'est que j'y vais accompagné d'une personne qui a pas à sa place. Mais moi, j'ai déjà réservé, comme je t'avais dit, j'ai déjà réservé mon logement. J'y vais à deux, on y va à deux, c'est sûr. Mais pour l'instant, la deuxième personne n'a pas de place. D'accord, t'appuies sur espace, ça les met comme Camelot. Ah mais c'est elle qui balance ses murs de dégueulasse là? C'est toi qui fais ta petite magie un peu naze? C'est beau hein, les lumières là. Putain, tu chiales. Légendaire, trop bien. Tu peux pas le mettre dans le canal clan? Tu vois, ouais.
Ah oui, m'attendais à ça. Après, nous, on est d'une race où on connaît les jeux indés. On sait ce que c'est que d'avoir acheté un Isaac à 30 balles à l'époque, même pas, et d'avoir passé 2000 heures dessus, bon, voilà. Évidemment, mais ça en fait, c'est très peu de gens qui font ça. Mais du coup, nous, on est au courant, donc peut-être qu'on a un peu plus de mal à payer 60 balles quand tu sais que... C'est comme moi quand les sushis, ça me dérange pas de payer des Uber Eats, tu vois. Ça m'arrive assez régulièrement, mais ça me fait chier de payer des sushis à 50 balles, lorsque je sais que moi-même, je peux les faire, et que ça va me coûter 10 balles, et que je vais pouvoir me faire péter le bide comme un gros sac, avec trois grosses assiettes bien remplies, fait avec soin, fait avec amour, ça va être meilleur en plus de ça, ça va me coûter 10 balles en tout, alors que 50 balles, je vais pas être repu, et j'aurai l'impression de me faire entuber. Donc forcément, ça me fait chier. Locked. Mais là, c'est pareil. Ça te fait chier de payer 60 balles pour un jeu où tu te dis ouais, mais bon, je sais que très bien que pour moins cher, je peux avoir mieux. Ou différent, en tout cas. Les préco des jeux, les billets pour le festival de musique, c'était... Bah, tu m'étonnes. C'est un budget, hein. Chaque année, c'est un budget. Moi, là, je voulais pas aller au Hellfest cette année, justement, parce que l'année dernière, j'avais pété le budget. Mais je vais pas à la TwitchCon, je vais pas à tout ça, j'ai pas envie... voilà, ça va être mon seul... peut-être un de mes seuls... Une de mes seules sorties culturelles, on va dire, de l'année. Donc, je me fais plaisir. Allez, au mini Hellfest, le motocultant. En fait, c'est pas tant le prix du billet qui fait cher, enfin bon, bah, même si le Hellfest, c'est pas un mirage, mais... c'est surtout les déplacements, les prix sur place, tu sais très bien que tu vas consommer aussi sur place, c'est un budget, quoi. Let's have a look at you, Les boucles mériteraient d'être resserrées, les cuirs calqués. Donc quoi, vous êtes fourré? Mais dis donc, parle pas comme ça une femme. What have you been getting yourself into, huh? Look, you live or die by the quality of your equipment. If you've the coin and materials, I can improve it for you. Ok. Réparer, améliorer, d'accord. On prend tous les objets. Zoop. Et transmog. Transmogrification. Ça sort d'où ce terme, transmogriffe? Transmogrification. Transmogriffe. C'est la première fois que je me pose la question vraiment de savoir. D'où ça sort, ça, transmogrification? Ça vient d'où? C'est les ingénieurs gob de WoW. Transmogriffe. Ah, mais c'est le terme, il vient d'où? Objet amélioré. Je peux améliorer ça, genre? Ça fait quoi? Ah, c'est intéressant ça. Ah, j'avais pas vu ça dans la bêta. Niveau de l'objet 1 sur 3. Ah ouais? Ça rajoute de la dext? C'est pété. On teste ou pas? Vous voulez qu'on monte, hein? Des bisous, Malf. On teste ou pas? Comme ça, c'est fait. Il faut des morceaux de fer. Vas-y. Donc là, on est à combien? 206. Et là, on passe à 216. Ah non, j'ai pas regardé les dégâts par seconde, merde. Ah non, je peux pas, ça coûte la peau du fiac. Yes. Bon, c'est bien. Anything breaks, the forge is hot. Ah non, on en a fait que un. Mais j'ai l'impression que les items rares, ils vont être utiles. Parce que des fois, tu te poses vraiment la question de savoir, parce que ici, tu vois, ça te file des dégâts de compétences, etc. Pour l'instant, on n'en a pas trop eu, mais genre, ça peut te rajouter des stats aussi.
Genre plus 5 avec tel sort, etc. Pour l'instant, on est si on est niveau 12. Not in town. Donc tu vas pouvoir te poser les questions quand même. C'est rare, Taudul. Why would your mother leave you like that? She wouldn't. Or she shouldn't have. Ah, c'est beau, hein. I'm sure she had good reason. Chercher ça. Cible infectée par bombe fumigène, subisse 15% de dégâts supplémentaires de votre arme. Trop fort. Trop fort, trop fort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive pas à trouver le clan. Attends. Clan, demande d'adhésion. Autorisation. C'est good? Ah, c'est toi? Bah oui, Mojo, il y avait un chat. Je tapais la forge. Ouais, non, c'est forge, je te prends. Stuttering, mais c'est pas le PC. Oh, c'est joli ça. The tunnel's closed. We're trapped without the hoist. Look. Ah oui, on peut faire ça un autre jour, je sais pas. Attends. Non. Ah ouais, c'est ça ton truc. Alors attends, ça fait quoi? Vous subissez 21% de dégâts en moins de la part des cibles subissant une perte de contrôle, ok. Bon, c'est défensif quoi. Chaque fois qu'une cible subissant une perte de contrôle vous inflige des dégâts, vos vitesses de déplacement est augmentée de 15%. Waouh. Très stylé. Est-ce qu'on peut tester sur nous? Non, on peut pas tester sur nous. Très stylé. Très très stylé. C'est vrai qu'il n'y a pas d'épaule. Ah oui, j'avoue, il n'y a pas d'épaule dans le jeu. Oh, pas d'épaulette dans le jeu, marrant. Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Non. Il
Il y a pas de gants. Il y a pas de gants, il y a pas de bracelet. Ah ouais, j'ai un tilté ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on a plus d'armes aussi. Des bisous Toto. Désolé encore pour hier soir. Merci, merci de m'avoir supporté. C'est trop gentil. That statue. It's her. The way I saw her. Lilith. We need to find my mother. Hoist, monte charge, hoist. At last, I'll ride out. Ah oui, ignoble. Il y avait ça qui bloquait. Ah ouais, trop bien fait. Il couinait comme ça. Quand tu veux, quand tu veux. Genre vraiment. Ça pue un peu, non ? J'y crois. J'y crois, j'y crois. J'y crois à mort. Putain, il y a quelqu'un avec un énorme fiac qui avait. Qui a liké ma look my story. Ah oui. Joli ce bot. Ben en fait, sa photo de profil, c'est un fiac, en fait. À peine dissimulé ses bottes. Bon par contre, faut y aller, hein. Quel genre d'énorme fiac ? Oh, je vous laisse deviner. Genre de fiac avec, avec des noms de profil un peu chelous. Avec des chiffres dedans. Des noms à rallonge avec des points et des machins chelous. Clairement des bottes, quoi. Tu vas tout à fait. Bon, oui. J'ai été déco... Oh non. On va être bloqué dans un truc infini. Il y a d'autres gens qui se font déco ou pas ? Aïe, aïe, aïe. Je me mets en pause dans la VOD. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais dit ? Facile. Faut faire confiance, faut faire confiance. J'arrive et ça parle déjà de partir. Non, t'inquiète. Si, j'ai attendu 75 minutes. Ah ! J'ai dit que j'allais bouffer. J'ai pas dit que j'allais partir. Qu'est-ce que ? Non, faut refaire ça. Oh là là. Okay. We know what was came. Okay, donc on en était là. Heureusement que j'avais suivi. The escort. Putain, d'accord, ça a coupé au moment où j'ai appuyé sur la porte en fait. C'est où ? Over there.
Ils ont remis des gobelins. Oh. A woman. Vigo. It was one of the women you sent. She wasn't human. She was a demon. Ah, c'est bien fait en pêchant, ça voilà. Tu sens bien qu'il a du sang un petit peu dans la gorge. It was a dead bloodbath. The other woman, Venard, where is she? She begged for her life. Well, I spared her. Let her deeper in. Give up, girl. She's lost. Vigo, you must listen. Steel did nothing. Spells, prayers, all useless. Go to Corval. Tell Prover. Raise the army. The father. Evil itself walks sanctuary. Do this for me. He is dead. Bravo, Captain Obvious. Your mother told me this trinket would bring good fortune. To think I trusted her. She bribed you with it, didn't she? You weren't supposed to let her through at all. But it's not too late. She can still be saved. Not by me. Not anymore. Prava will know what to do. You're leaving us? Abandoning her? There's nothing left to abandon. Ouais, c'est trop bien. Et t'as rien vu encore. She's good as dead. I'm sorry, kid. He really just left us. It's up to us now. Lilith can't be too far. Les petites pétales, là. Regarde les petits pétales de sang là. What's this? Are you mine? I am Lilith. J'ai l'impression que ça c'est pas fini ça. On dirait un placeholder un peu chiadé, mais un placeholder quand même. C'est pas très beau ça. M'étonnerait pas que ça soit pas terminé. Bon quand même, non ça me. Pas ouf. Drop the act. You have questions. I have answers. I know the fabric of the cosmos. Everything I've read has warned me against you. You've read so much, yet know so little. Will you accept my offer? I don't know. Will you let me try? I want to try. Your mother is alive. She came this way with Lilith. How can you be sure? Sometimes I see visions of the past. I saw them. What? How? Lilith's petals. Her blood was fed to me once. Je connais des Play Soldier ou c'est des Fat Yoshi ou des Goku Boss. Quoi? Des Play Soldier? Des Play Soldier. C'est stylé. Oh là là. Oh les combos que tu peux mettre, c'est trop classe. Y'avait pas un système de combos d'ailleurs avec ça?
Next class ou ils ont changé encore? Il semble bien qu'il y a un système de combo. Genre qui déclenchait certains trucs après. Ah, c'est peut-être. Ah oui! C'est peut-être justement une des formes. Je vous parlais des formes à débloquer. C'est peut-être ça. On a vraiment bien fait de jouer cette classe, hein, je la connais pas du tout. Non, tu restes personne en fait, toi. Hein. Oh! Si jamais vous subissez la perte d'un être proche, prenez un bâton de pluie, secouez-le comme ça dans un cimetière et peut-être que ça marchera, on sait jamais. Hein. Vous arrivez sur sa tombe et il fait chic chic. On sait jamais. Vraiment, ça se tente. Je pense que ça se tente. Faut descendre là. Ah, there. Ah. Oui, c'est ce que tu disais, ouais, ça s'appelle un placeholder. C'est pour remplacer une image ou un objet 3D pour faire en attendant que ce soit le résultat final. Ouais, c'est ça. Mais placeholder, c'est stylé que tu l'aies écrit comme ça. Je viens de changer mon titre, il y a le préfixe forgeron. C'est pas vrai. J'ai déjà fini. Bah oui, connard. Ça, c'est un mec, il arrive, il fait « Ouais, j'ai mal au ventre !» Mais c'est normal, tu viens de t'engloutir tout un plat de tiramisu en 2 minutes. Le truc, tu viens de bouffer 1,5 kg de tiramisu en 2 minutes. Évidemment, tu vas avoir la chiasse, en fait. Pleure pas. C'est normal. Ouais, je comprends pas, j'ai un peu mal au ventre. Why you were spared. Yes. Do you have faith in me? I want to. Good. For now, all you need know is that we are going to meet my son. Meet. Wesh. The first necklace. Salut FK. Oh, y'a pas de soucis, avec grand plaisir, merci. Merci de l'avoir vu. Mais t'étais sur le stream depuis le début, t'étais dans l'ombre, ou t'as piffé comme ça, Forge, plaque. It sounds like they're searching for Lilith's son, Rathma. Together. Mother, what are you thinking? Non, mais t'as compris, m'a-t-on dit, ça va. T'as compris, ouais, vous avez compris. Tu vas avoir d'une minute. On va faire des concours de gros mangeurs, là, de tiramisu. Qui est capable d'engloutir 3 kilos en plus vite possible. 3 kilos, les gars. Oh, 1 kilo et demi. Vous vous rendez compte ou pas, juste de la folie? 1,5 kg, vous faites un coma, hein. 1,5 kg de tiramisu ou 1,5 kg. Vous vous rendez compte de ce que c'est 1,5 kg ou pas? Non, 1,5 kg, en vrai, ça va. Je pense que ça passe. Vous n'êtes pas prêts. 1,5 kg, je pense que ça passe. Ouais. Oh, je me faisais des plats de lasagne, je crois que les plats de lasagne, c'était 1 kg, ça m'arrivait d'en bouffer entier. Plus du tout maintenant, mais... Une tireuse d'élite inébranlable. Personne ne peut me branler. C'est ça que ça veut dire. Bon, à quoi ? Waouh ! Dégâts, dégâts, dégâts ! Allô ? Les Aishnotes, vraiment, genre, ça me fera toujours rire. Hein.
Mais attends, mais Mini-moi, quand il dit j'ai fini, ça veut dire quoi, j'ai fini? Genre, il y a des trucs à, fouiller, il y a des trucs à explorer, il a pas fini, il a dû faire... il a juste à finir la campagne, là, tu viens de commencer, bravo. T'as toutes les autres classes à tester aussi, éventuellement. Comment ça, j'ai fini, le mec? Yes, voilà, c'est ça. Bon, les gens qui ont pas le même, en fait... Moi, c'est des trucs que je voyais dans les speedruns et machin comme ça, mais... Genre, la GDQ, ils le font pas mal. En gros, c'est tu répètes ce que dit le streamer. Genre, ouais, je prends des notes. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que souvent, j'oublie instantanément le truc que je viens de dire. Genre, 5 secondes après, c'est déjà... je sais même pas ce que je viens de dire. Et des fois, je dis des conneries. Quand je regarde certains clips, je suis là, genre, à quel moment j'ai dit ça? À quel moment j'ai dit ça? Prendre des notes pour pas oublier. Voilà. Et du coup, ça me fait mourir de rire de relire le truc en mode... Ah ouais, putain, j'ai dit ça. J'ai dit ça comme ça, genre. Ça me fait mourir de rire. Vénard. Blocked again. Does Lilith know we're coming? Ah. Il est pas prêt. Elle est pas prête yet. Cette porte est scellée. Ce streamer est salé. À ne pas confondre. Et allez, la file de 52 minutes. Quoi, t'as le TF4 le jeu? Mais pourquoi vous essayez de sortir du jeu? Ah, il a crash, toi, c'est ça? Merde. J'ai rien dit, j'ai rien. Il est temps de choisir. Est-ce que vous avez la ref? Il est temps de choisir. She'll be all right. You've chosen well, my child. To reach Rathma, we will need to cross a lake at the bottom of these ruins. It requires a ritual. I will teach you. As you wish, mother. Good. You're ready for lesson one. Blood is the key. What did you see this time? The sword is the law. Tell me. Blood is the key. Teach your mother a ritual. One that needs blood. Your mother seemed receptive. We have to reach them. Putain, j'ai hâte de tester un peu le endgame. Là, là c'est très tranquille. Waouh, pas du tout ça que je vais faire. J'ai juste hâte déjà. Alors moi, j'aimerais bien que ça arrête comme ça, tu vois, sur des ennemis où il y a peu d'ennemis, tu vois. Mais qui soient plus forts, qu'il faille réfléchir à son placement. J'aimerais trop en être sûr de ça. Ça donne envie de jouer à Wolfenstein. Logique. Toi, tu vas bouffer chez Bocuse et tu dis putain, ça me donne trop envie d'un McDo. Pardon. La comparaison est foireuse. Égal McDo. Je me
La comparaison très juste. Voilà les sandwichs pour votre repas de ce soir. Oui, c'est ça. Le serveur qui arrive. Voilà des sandwichs pour votre repas de ce soir. Enfin, j'ai payé 200 balles pour mon menu quand même. J'en ai rien à foutre. Putain, ça a changé, hein. La restauration, vous avez pris cher, hein, pendant le confinement. Hein. Ah ouais, putain, vous dites exactement la même chose aux clients d'à côté. C'est incroyable, ça. Pourtant, ils ont commandé des trucs complètement différents. C'était pas des sandwichs, là-bas, je crois. Excusez-moi, messieurs, dames. Vous avez pas commandé de sandwich non plus. Ah, mais d'accord. Mais d'accord. Mais on va payer la même chose, on va payer 250 balles chacun. Ah, autant on va les bouffer au McDo, on est d'accord, hein. Ah ouais, ouais. Vas-y, hé. On attend qu'ils regardent pas et après on s'en va en courant. Ça vous dit ou pas? Serveur PNJ. Voilà des sandwichs pour votre repas de ce soir. Le mec qui est bloqué. Alors je vais vous prendre un petit... un compte de Monténégro. Pourquoi le compte de Monténégro? Je veux dire, un compte Calisto, je sais pas quoi. Comment est votre bouteille? Non. Non mais le pays. Attention hein, le pays hein, je sais pas. Le pays, attention hein. Le pays, vous voyez pas? Excusez-moi Twitch. Twitch, c'est parce que Twitch parfois peut-être que hein, attention. Excusez-moi. Excusez-moi Twitch hein. On parle du pays, d'accord? On parle du pays, ce pays-là, excusez-moi. Excusez-moi, pas de ban, je vous en supplie, pas de ban. C'est, hey, c'est Diablo, c'est le jour de Diablo, d'accord? C'est à Saint-Patrick. Saint-Patoche. Saint-Patoche, soyez Saint-Patoche. Ok, c'est ce pays-là qui se trouve entre le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, l'Italie de l'autre côté, l'Albanie, voilà. D'accord? Ok? Je suis pas en train de faire une Séville. Ah oui, vous connaissez pas, vous. C'était Dalen qui était en... C'était Dalen qui était en live. Et Séville, il balance des bails comme ça en mode. Ouais, il faisait des blagues sur les N-word. Avec le pays, bien sûr. Mais donc. Ils sont touchy chez Twitch. Hein. Bah, si je me fais ban pour ça, bon, ça je me ferai ban pour ça, mais j'assume. Surtout que c'était pas ça que je voulais dire en plus. Je voulais dire Monte Cristo, je sais pas quoi. Ou Calisto, je sais plus ce que je voulais dire en vrai. Y'a pas, des vins qui s'appellent Monte Cristo? Putain, ils ont des boobs! Oh, les man boobs là! Waouh! Yes! J'avais pas vu que j'avais un point. Hop là. On va prendre infliger des dégâts directs à une cible affectée par Bonfinjan. Son temps de recharge de 20 secondes. Là, si la cible est vulnérable. Si une cible est vulnérable, alors tu voulais celle en Bonfinjan. J'ai bête. Ok. Infliger des dégâts directs à une cible affligée par bombe fumigène à chaque fois. La personne affligée fait sa face, j'ai mal de ménage. C'est un pays, c'est pas problématique. Ça devrait pas. C'est pas un dessert aussi? Je les ai vus dans Shrek 2. Quoi? Ah, c'est des cigares. Ah, Monte Cristo. Ah, peut-être, ouais, t'as raison. Tu fumes des cigares, toi, Nekrash? Ça fait longtemps que j'en ai pas fumé, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup les cigares. Mais oui, maintenant que tu le dis, ouais. Oui, j'en ai fumé. Comme tout bon businessman. Mais des bons, pas des trucs de grosses... Ouais, mais pareil, hein. En fait... Les gros barreaux de chaise, sa mère. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que y a quand même un truc, les gens ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de cigares. Oui, les cigares, ça pue. Les cigares, ça pue pas du tout, hein, les gars. Mais c'est comme, je sais pas, ça serait comme dire « Ouais, j'ai goûté la villageoise, putain, c'est vraiment dégueulasse, le vin rouge. » Ah ouais? Bah oui, forcément, du coup, si t'as goûté que ça, c'est de la merde, ouais. Ou genre « Ouais, le crunch, moi, j'aime pas, hein. J'aime pas le chocolat, hein. J'ai goûté du crunch. » Bah ouais, mais est-ce que t'as goûté du vrai chocolat ou du vrai café? Ouais, pareil. Oh, du café soluble. Ouais, mieux. Tu goûtes du café soluble, tu dis, ah, j'aime pas le café. Ah, des Cohiba, trop bien. Est-ce que tu connais...
Putain, comment il s'appelle ? Nicaragua... non, Honduras. Honduras ou Nicaragua, je sais plus. Je crois que c'est Honduras, en fait. Ah, je sais plus, merde, c'est quoi ? C'est Honduras ou Nicaragua ? Je crois que c'est Nicaragua. Et c'est Kumpai. Kumpai ? C'était mes préférés, ils sont trop bons. Si jamais tu trouves, si jamais tu veux en reprendre et tout, note. Aïch note, ça. Kumpai, Siga ? C'est Kumpai ? Ouais, c'est ça. Kumpai. Kumpai. Kanchama. Est-ce que c'est celui-là, vraiment ? Ah, j'ai un doute. Est-ce que c'est vraiment celui-là ? Attends, ça vient d'où ? On va voir. Je crois que c'est Kumpai, mais j'ai un doute. C'est, ça vient d'où ? Kumpai, ça vient d'où ? Eldorado, Kumpai, fabrique tabaco, c'est Jovia. Nicaragua. Ouais, non, c'est ça. C'est cela. Et ça, je crois que c'est mes préférés ever. J'avais goûté pas mal. J'avais un pote qui était un peu pété de thunes. Il se faisait des kiffs. La vanille. Quoi ? Alors oui, j'ai goûté, mais je trouvais que ça avait un goût trop prononcé. Ah ouais ? Moi, je les ai trouvés super doux. Mais peut-être qu'on n'avait pas goûté le même. Et j'imagine qu'ils en font plein différents. Moi, mon go-to, c'était des piedras. Des rosé piedras. C'était des trucs pas chers qui étaient pas mal. Des feuilles vieillies au porto. What the fuck ? Ou au rhum, what ? Ça se fait, ça ? Mother ? Nira ? Bonjour ! You're just in time. Beyond this lake. Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Dis donc, Baptiste ! Qu'est-ce que tu fais avec ces sigles ? Rien du tout, mais... Tu repenses ce sang tout de suite, hein ? Demain, il y a école ! Mais non, quoi ? Stop, but I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop. Look at what Lilith has done to you. Regarde ce qu'elle t'a fait. Tu as des mèches blanches dégueulasses maintenant sur les cheveux. She awakened me. She showed me things... I can't even put into words. Once I finished, you will understand. I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Oh, I see. Yes, clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. This is my discovery, not yours. Oh bah super la daronne. D'accord. Vénard. Je suis quasiment sûr que là on a une version accélérée de l'histoire. Hein. Dans la campagne, il n'y avait pas ça. Hein. Il y avait 30 000 trucs à faire avant, je crois. C'est assez chelou, pardon. Attends. Pff, je viens de faire un truc là. C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais je l'ai fait quand même. Non mais bah sortez pas de la map en fait. C'est insupportable ça. De fumer. Ouais, mais fumer des cigares, c'est pas vraiment fumer, quoi. Je veux dire, t'as pas de... Normalement, t'as pas de... En tout cas, moi, j'en ai jamais eu de... Comment on dit de... D'accoutumance à la nicotine, t'en as pas. Logiquement, si t'avales pas la fumée et tout ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait autant de nicotine que dans une cigarette normale, mais vu que t'es pas censé l'ingérer, normalement.
On en gère forcément un petit peu en respirant, voilà, mais... Moi, j'ai jamais eu d'accoutumance, hein. Je me sentais pas obligé de fumer. J'ai juste plus eu l'occasion. Mais arrête de bouger! Oh, to make Lilith pay for what she's done. So we need blessed blood. Go back to your brother. Get that blessing. Beg if you need to. Whatever it takes. My mother started this damn ritual. I'm going to finish it. Meet me in the Mistral Woods. Why there? The Horadrim hid a vault there. Finding it was her life's work. So much for that. So much to do, so much to do. Maybe it will help with the ritual. If not, at least I can bury her where she'd want. I need time. I'm sorry. Just leave me. Leave me alone. Oh, on a chopé une dague. Dague, dague. Plus un à toutes les caractéristiques, dextérité. Ok. Prends la gueule. Ok. Mmh. Des coups crits, l'énergie. Non, bah non, non. Ça, c'est bien ça. Conseil de la lumière. Faut qu'on TP, hein. Amélioration de la potion de soin. Let's go. Bye, have a great time. Salut. Sa mère qui vient de se faire déglinguer. C'était sympa, hein. C'était sympa. Sympa, la grotte, hein. Quelle belle architecture. Non. Bon, là, je me casse. Allez, salut. Oh, faut arrêter de chialer, si c'est bon. Ouais. Ouais, mais ta daronne, elle est morte. Bon, bah, ça repousse. C'est bon, c'est pas grave. La capitale, elle prend cher. Hein. I want to increase the potential of my potion. You certainly have the look of someone who spends a lot of time in the wilds. Whoa. I expect you'll also want some of my elixirs. But let's focus on your healing potion for now. I have some extra materials we can use this time. If you want to improve your healing potion further or craft any elixirs. J'aurais voulu faire semer la pipe pour faire comme Sherlock. Alors, ça doit exister des fausses pipes, des. I'll not leave these walls. Vous pouvez améliorer la puissance de votre potion. C'est chez l'alchimie, pour l'améliorer, il faudra de l'or et de l'herbe récoltées à travers le monde. Ouh, gros plaisoul de rose, vous avez vu ça? Bim. Juste cliquer une fouille. On peut fabriquer des élixirs, on a vu que ça coûtait la peau du chat maintenant. Ok, 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 ok. Trop belle la musique. La pipe par contre c'est dégueulasse, t'as l'impression de sucer un chêne qui fume des clopes. Bravo ça.
Non, j'ai pas. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire ça. Il faut aller d'abord voir le mec là-bas. I need more time. What will it be? Et donc là, je peux faire level up ça? Ouais, c'est pour tester, hein. Ça sert pas à grand chose de le faire. Donc là, on est à. On passe à. 117. Unexpected. Ah, mais je suis déjà niveau 3? Ah non, c'est passé niveau 2, et là, il me propose niveau 3. On sera à 206. Ah non, c'est plus 5 à chaque fois, d'accord. Ouais, c'est pas mal, hein. Attends, j'ai pas vu ce qu'il nous demande. You need something forge? Forge de la jungle. Puis. Je peux pas reforge ça. Ouais. That can't be salvaged. Bah pourquoi on peut pas salvage? Ouais, pour. Ouais, quand t'ailles salvage. Can I vendre? I'll take it. Cet objet est spécial. En quoi c'est spécial? Béni soit celui ou celle qui sent chaud, que son cœur reste pur et sa foulée souple. Merci, Legolas. Gentil. Attends, mais faut un truc. C'est un truc spécial ou... Pourquoi c'est spécial? Pourquoi t'es spécial? Lié au compte. Attends, ça c'est lié au compte et ça c'est pas lié au compte? Je comprends pas. Non, c'est clairement. Ça fait clairement penser à du russe ou du slave en tout cas, ouais, clairement. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Une contrée un peu dans. Rien que le nom Kyovashad. Ça fait un peu Ruskov quoi. Contrées enneigées, ils ont tous des chapkas sur la tronche. Ah, pas mal ça. Alors là je dis banco. Là je dis banco. Ah ouais, putain, c'est Mortal Kombat. Ah ouais, là ok là. À votre avis, en rouge comme ça? C'est magnifique, hein. Oh, c'est beau ça aussi. Oh, c'est insane. Oh, en gris comme ça, c'est incroyable. Oh, le violet, il est trop bien. Team Purple. Sucez-vous. Ah, j'aime bien celle-là avec la cape. Ça rend trop bien. C'est soit la cape, soit ça. Ça va être la cape. Avec la cape, c'est génial. C'est génial la cape. On a ça. Tu sais, d'habitude, les gants, je trouve ça pas ouf dans les jeux. Mais là... ouf quoi. Putain, le zoom. Oh, la texture et tout là. Trop bien fait. Tu vois les coutures. Les gens qui vont faire du cosplay, ça ils vont plus en pouvoir là. Là ils ont des demi-molles et tout. Ils ont le patron. Limite t'as le patron et tout. Là tu vois qu'il y a des lacets ici. Tu peux faire. Oh là, le gavage. C'est impressionnant. Comme ça. Il manque un peu de couleur, mais en même temps, on est un assassin, faut pas déconner. Un assassin. Là, ça clip un peu, c'est pas ouf. Ça clip pas.
good thing. Là, les dagues, on a quoi? Ouais, pour l'instant, pas grand-chose. Okay. Ça me paraît bizarre qu'il y ait si peu d'armes différentes, là. Si c'est ça le nombre maximum de trucs, c'est un peu tristoun, mais... An assassin. Ok, pas mal. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette VOD là. Je vais aller, je vais faire une petite pause pour aller manger un coup. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Lâche un petit pouce bleu. Viens nous voir sur Twitch. Petit commentaire éventuellement. Si t'as des questions, n'hésite surtout pas. Voilà, on va suivre le projet comme d'habitude. Enfin, tu sais déjà. Des bisous et que la force soit avec toi. Ciao, ciao. Oh.